Bonsoir à tous. Constatant qu'il y a quorum, je déclare la séance ouverte et je vous invite tous à un moment de recueillement. Je vous remercie. Point 2, adoption de l'ordre du jour. Est-ce qu'il y a des modifications ou des corrections? J'aurais une petite modification à vous soumettre à la page 7 de 11, le sommaire AP 2012-232. Alors, on l'avait inscrit comme autorisation de soumettre au conseil d'agglomération et après révision du dossier et une nouvelle analyse cet après-midi, on en vient à la conclusion qu'il est de compétence du conseil de ville. Alors, je vous propose de le laisser à cet endroit-là de l'ordre du jour, mais ce ne sera pas une autorisation de soumettre au conseil d'agglomération, plutôt un renouvellement de contrat. Merci bien. Donc, est-ce que j'ai un proposeur avec l'ordre du jour modifié, proposé par M. Bussière, appuyé par M. Dufresne? Merci. Point 3, approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil de la Ville tenue le 1er mai 2017, proposé par M. Bussière, appuyé par M. Ernoul. Point 4, rapport de M. le maire Régis Labombe sur les décisions prises lors de la séance ordinaire du Conseil d'agglomération de Québec tenue le 3 mai 2017 et dépôt du procès-verbal. M. le maire? Oui, Madame la Présidente. Alors, toutes les décisions prises par le Conseil d'agglomération de Québec lors de sa séance tenue le 3 mai 2017 sont consignées dans le procès-verbal que je dépose par la présente. Les procès-verbaux des séances du Conseil d'agglomération de Québec peuvent être consultés au bureau du greffier sur le site Internet de la Ville de Québec. Merci. Merci bien. Donc, j'autorise le dépôt du procès-verbal du Conseil d'agglomération. Point 5, communication écrite au Conseil. Madame la greffière. Alors, d'abord, j'ai une nouvelle communication qui m'est parvenue cet après-midi. Donc, une lettre de M. Paul Chouary nous indiquant que, dès ce jour, il siégera comme conseiller indépendant au Conseil municipal et au Conseil de l'arrondissement Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge. J'ai également le dépôt par la trésorière de la Ville du rapport financier consolidé de la Ville de Québec, incluant le rapport du vérificateur général sur les états financiers, le rapport du vérificateur externe et le rapport de la reddition de compte pour l'exercice financier se terminant le 31 décembre 2016. Le dépôt d'une pétition de 54 signataires relative au débit de la circulation important sur l'avenue Charles-Huotte et à la vitesse excessive sur celle-ci, ainsi que le dépôt de la résolution 17-CA-30 adoptée le 11 avril 2017 par le conseil d'administration du conseil de quartier de Sillery, demandant au conseil de ville de prendre en considération la notion de vision zéro accident et de l'intégrer à sa nouvelle stratégie. Merci bien. Point 6, matière nécessitant de consultation publique, il n'y en a pas ce soir. J'en profite pour rappeler aux citoyens présents dans la salle que s'ils souhaitent intervenir à la période de questions qui leur est réservée, de bien vouloir inscrire leur nom à la feuille qui est prévue à cet effet à l'entrée de la salle. Point 7, première partie de la période d'intervention générale des membres du Conseil. Comme à l'habitude, le premier temps de parole est réservé à M. le maire avec une première réplique de Mme Guirette et le deuxième temps de parole est réservé à Mme Guirette avec une réplique de M. le maire. Suite à ces deux interventions, quels sont ceux et celles qui souhaitent intervenir? M. Voyer? Mme Jean? M. Julien? Madame Gilbert? D'autres interventions? Monsieur Verrette? Madame Doyle? Monsieur Normand? Donc, allez-y, Monsieur le maire. Si vous avez besoin de plus de cinq minutes, je vous les accorde d'emblée. J'offrirai par la suite le même temps à Madame Guirette. Merci, Madame la Présidente. Alors, s'il est nécessaire de le répéter, j'aimerais dire que ça va bien à Québec, même très bien. Notre PIB, produit intérieur brut, carbure à la hausse, et on est champion, encore une fois, du plus bas taux de chômage au pays. L'industrie touristique roule à plein régime. On a eu des chiffres records dans les derniers mois. L'année qui s'en vient devrait nous faire connaître d'autres records, et on peut miser sur des ressources socio-communautaires extraordinaires, parce que depuis quelques années, on a décidé d'investir non seulement dans la ville, mais dans l'humain. Et bien sûr, à l'aube d'une campagne électorale, ça dit beaucoup de choses, mais bon, c'est de bonne guerre et que les gens qui ont une vision politique différente de la nôtre souhaitent mettre en évidence des perceptions un peu plus négatives, on les comprend. Pourtant, des bonnes nouvelles s'enchaînent et lorsqu'on jette un regard sur les domaines économiques, touristiques et sociaux, je pense qu'on fait l'envie vraiment de plusieurs hautes villes. J'arrive d'un congrès du MQ et on me l'a dit amplement, attention. Toutefois, je ne suis pas en train de dire que tout est parfait et qu'il n'y a pas de place à l'amélioration. Bien au contraire, il y a constamment des nouveaux défis, des enjeux qui se pointent à l'horizon. Et nous sommes conscients que rien n'est garanti, surtout pas en économie ou pour l'industrie touristique, d'où l'importance pour la Ville d'accompagner les représentants de ces industries et de les soutenir de différentes façons, dont à l'étranger. Il faut aussi savoir se monter flexible et réajuster le tir lorsque la situation commence. Toutefois,
Dans l'ensemble, je pense qu'on peut être fier de vivre dans une ville prospère, reconnue internationalement, attrayante et surtout qui offre un milieu de vie d'une extrême qualité et qui sait bien prendre en compte le bien-être de ses citoyens, dont les plus démunis. Ce soir, je vais donc débuter en parlant un peu d'économie. Québec international vient tout juste de déposer son bilan annuel et une conclusion s'impose. L'économie de Québec est florissante et la région continue de se positionner avantageusement parmi les plus vigoureuses au pays. Québec est une source incroyable d'innovation et de créativité qui nourrit un entrepreneuriat dynamique et de semaine en semaine, on annonce l'avenue de nouveaux entrepreneurs, de nouveaux investissements dans leur entreprise. Et la ville convainc un bon nombre d'entreprises de partout à venir s'installer dans la région. Deux entreprises françaises dernièrement ont décidé de s'en venir à Québec pour s'établir, des petites entreprises en innovation technologique qui deviendront grandes. Et Natacha Jean pourrait vous en parler longtemps, mais ça n'a pas toujours été facile, l'entrepreneuriat au Québec. Elle et moi avons travaillé à la Fondation d'entrepreneurship et on peut vous en parler amplement. Mais honnêtement, la fibre est là et plus jamais elle est si serrée, croyez-moi. En 2016 uniquement, les initiatives mises en œuvre par Québec international ont permis de confirmer 102 millions d'investissements pour l'implantation ou l'expansion de sociétés étrangères et 18 projets d'implantation ont été réalisés ou annoncés au cours de l'année. Des bonnes nouvelles comme le retour d'IKEA, qui n'est pas inclus là-dedans, le projet de Medicago, dont le président international était à Québec la semaine dernière, 245 millions d'investissements dans une nouvelle usine d'Estimoville très bientôt, dont la construction va commencer très bientôt, ou encore l'ouverture d'un bureau de la société française Accuracy. Et on est prêt à en prendre toutes les semaines des comme ça. Et c'est pourquoi on a une équipe de champions à Québec international, et je veux leur rendre hommage aujourd'hui, une organisation dirigée par Carl Viel qui fait un travail extraordinaire, une équipe dont le mandat quotidien est de courtiser et de faciliter les investissements. Et saviez-vous que l'on vient d'enregistrer une 25e année de croissance consécutive de notre PIB et que ça ne se voit pas nulle part et c'est la première fois dans l'histoire du pays qu'une région métropolitaine connaît une 25e année de suite de croissance de son PIB. En 2016, on part d'une croissance de 1,6% par rapport à 2015 et le PIB réel avoisine les 35 milliards de dollars à Québec. C'est un exploit collectif, je peux le dire, dont nous pouvons vraiment être fiers, surtout que l'économie mondiale a été affectée par plusieurs soubresauts dans les 25 dernières années, à commencer par la crise financière de 2008. On peut s'en souvenir, ce n'est pas banal d'y avoir résisté et d'avoir poursuivi notre croissance malgré tout. Et plusieurs efforts ont été investis pour diversifier notre économie et soutenir nos secteurs de force, et aujourd'hui, ces efforts rapporte. Quelques exemples. Notre stratégie de développement économique, 150 projets soutenus à la hauteur de 23,6 millions depuis 2012, qui ont généré ensemble des investissements de 120 millions de dollars. Notre appui aux initiatives mises en place par nos partenaires et qui permettent aux jeunes pousses, nouvelles entreprises, de concrétiser leurs projets, d'avoir accès à des ressources. Et là, je parle du fonds InnovExport, le CAN, accélérateur, incubateur, etc., etc. Le travail exceptionnel de la division de l'entrepreneuriat et du développement ici à Lévis, qui aide les entrepreneurs pour faire de Québec la ville la plus entrepreneuriale, autant en économie privée qu'en économie sociale, parce qu'on croit à l'économie collective. Le nouveau fonds de la capitale nationale et de sa région, qui sera doté d'une enveloppe de 25 millions de dollars par année, à terme en 2021, qu'on a négocié avec le gouvernement du Québec dans la loi sur la capitale nationale. L'implication des gens d'affaires qui contribuent aussi à la richesse collective dans notre région en investissant à titre personnel dans des jeunes entreprises, des mentors qui investissent dans leur entreprise, on en a sélectionné aucun. Il y a à peine quelques mois, la Chambre de commerce et d'industrie de Québec, la Corporation des parcs industriels de Québec, la Jeune Chambre de commerce de Québec, Sage Mentorat d'affaires et la Voix des entrepreneurs en TI de Québec, le VETIC, créaient une toute nouvelle alliance stratégique en faveur de la communauté d'affaires de Québec. Et d'autres offrent leurs expériences. Voilà un bel exemple de solidarité régionale. Les gens d'affaires ont décidé de donner rôle suivant.
Et cette diversification d'économie régionale contribue aussi aux excellentes performances de Québec au chapitre d'emploi. Mois après mois, la région métropolitaine de recensement de Québec figure très souvent en tête des grandes régions canadiennes pour les faibles taux de chômage. Elle est encore au premier rang, en avril, au premier rang. Le taux de chômage était de 4,2. À titre comparatif, le taux de chômage pour la même période est de 6,7 à Montréal, donc 50 plus élevé qu'à Québec. Et la même chose au Québec, 6,6 dans la province par rapport à 4,2 ici à Québec. Et de plus, c'est ici que le taux de chômage moyen a été le plus faible. C'est ici que le taux de chômage moyen a été le plus faible au cours des 10 dernières années. Et à 6 reprises, nous avons occupé le premier rang national pour la moyenne annuelle. Et considérant que c'est à Québec où le revenu personnel disponible par habitant, c'est à Québec que le revenu personnel disponible par habitant est le plus élevé au Québec et où la croissance annuelle, 3,3 du revenu personnel disponible, a été l'une des plus importantes à l'est du pays entre 2011 et 2016. Et on comprend non seulement qu'il y a de l'emploi, mais ce sont des emplois de qualité. La famille à Québec, en moyenne, gagne 10 000 $ de plus en moyenne que celle de Montréal. Dans les faits, nous sommes évidemment un peu victimes de notre succès, puisqu'avec les changements démographiques et les départs massifs à la retraite, le problème de pénurie de main-d'œuvre à Québec s'amplifie. On le sait, c'est pourquoi, en collaboration avec Québec International, l'attraction et la rétention de main-d'œuvre qualifiée sont parmi nos extrêmes priorités. En 2016, 8 missions de recrutement ont été réalisées au Canada, en Europe et en Amérique latine. Elles ont permis de recruter 350 travailleurs étrangers pour un total de 600 nouveaux arrivants à Québec. Depuis 2008, c'est près de 1500 travailleurs qui ont été recrutés pour amener à Québec 3600 nouveaux arrivants. Et de plus, il est aussi primordial pour nous de travailler de concert avec le gouvernement pour aider les nouveaux arrivants qui sont déjà ici à s'intégrer au marché du travail. Dans la RMR de Québec, écoutez bien cela, nous avons un taux d'emploi record pour les immigrants en âge de travailler. À Québec, on a un taux d'emploi record au Canada pour les immigrants en âge de travailler. Il est de 73,8 en 2016. Dans les autres régions canadiennes, le taux d'emploi des nouveaux arrivants est à peu près de 50, c'est-à-dire 50 plus bas que le nôtre. Et nous sommes donc extrêmement performants et je pense que les mesures d'intégration en emploi doivent être encouragées. Et j'espère qu'il y a plusieurs organisations de nouveaux arrivants qui nous écoutent parce que c'est un chiffre qui va leur plaire. Et vous me permettrez de saluer ici l'initiative du gouvernement du Québec qui investira 26 millions de $ en 2017 afin de les aider, les nouveaux arrivants, à trouver des emplois. Cet argent va servir, entre autres, à rendre l'apprentissage du français plus accessible pour les travailleurs étrangers et à établir une stratégie pour attirer plus d'étudiants étrangers ici. Emploi Québec pourra, par exemple, intensifier ses interventions auprès des PME pour améliorer leur formation spécialisée. Évidemment, c'est une excellente nouvelle pour les employeurs, mais surtout pour la Ville en général. De plus, la Ville travaille en étroite collaboration avec ses sociétés de développement commercial, autant pour l'embauche de ressources que pour des projets ponctuels. Il y a quelques mois, un forum des sociétés de développement commercial a été tenu et les participants ont été plus stimulés les uns que les autres. Et on y parlait de l'importance du mix commercial, des aménagements agréables à faire pour les quartiers, comme de l'expérience client à favoriser pour accroître leur compétitivité. Et on peut parler ici des avenues Magoire où on a annoncé une refondation complètement de l'avenue commerciale et ce qui se passe depuis particulièrement sur la rue Cartier. Ces interventions contribuent au développement économique et à conférer un caractère distinctif à nos artères commerciales et elles permettent aussi à les régions de rayonner et d'être attractives. Cela m'amène à mon deuxième point, puisqu'on met également beaucoup d'efforts pour stimuler l'industrie touristique, qui est un volet important de notre économie. Et franchement, avec l'année 2016, où on a obtenu les meilleurs résultats touristiques depuis le 400e, et avec la projection plus que positive pour 2017, je pense que nous avons prouvé que notre stratégie fonctionne.
Et certains diront qu'il n'est pas dans le rôle de la Ville de financer des événements, et je leur répondrai ceci. Le gouvernement du Québec, et je le répète, nous octroie 5 millions de dollars par année pour animer la Ville via le Fonds des grands événements. Les gouvernements du Québec et d'Ottawa trouvent leur compte par le retour sur la TVA et la TPS. Ils ne font pas pour rien. Et c'est du simple au double, et ça après quelques jours d'investissement. Et le gouvernement reconnaît que Québec est une ville au potentiel touristique exceptionnel, et c'est pour ça qu'ils y investissent, et que localement, nous avons l'expertise pour effectuer des investissements judicieux pour stimuler notre industrie touristique. Et ils ont raison, car cette dernière, l'industrie touristique, se porte au mieux, et on annonce une année record pour 2017, l'avenue d'un plus grand nombre d'Asiatiques et de Mexicains, et les célébrations du 150e anniversaire du Canada nous font entrevoir une saison exceptionnel. On annonce aussi une année vraiment performante pour l'industrie des croisières. Le port de Québec attend pas moins de 131 escales de navires. En tout, 34 navires de croisière distincts se pointeront au bout du nez dans la capitale, soit 5 de plus qu'en 2015, la dernière année record. Et le port de Québec évalue que le nombre de passagers pourrait atteindre un sommet de 200 000 personnes, ce qui représente une hausse de 30 % par rapport à l'année 2016. Et ces passagers seront accueillis à la toute nouvelle place des Canotiers, un autre atout distinctif qui contribuera à agrémenter l'expérience Québec. Place des Canotiers, pas juste pour les touristes, mais pour tout le voisinage du vieux Québec et les résidents de la ville. Ainsi, pas plus tard que jeudi dernier, nous avons annoncé que la prestigieuse ligne de croisière Disney s'arrêterait à Québec en 2018. Il y aura deux croisières Québec-New York en septembre, et les 2713 passagers s'arrêteront deux jours à Québec à chaque fois. Imaginez la visibilité. À tout cela, on peut ajouter les distinctions que nous recevons régulièrement et qui sont synonymes d'un travail de concertation et de force de notre destination. Distinction récente reçue, deuxième destination la plus agréable en Amérique du Nord. Expedia, vous connaissez Expedia. Canadian Music of the Year, la ville musicale au pays, il y a quelques jours. Best Destination Experience, magazine Cruise Inside, la Bible des croisières. Québec au top 10, the American City of the Future, American City of the Future, les deux Amériques en passant. Meilleure destination hivernale pour le temps des fêtes, USA Today. 10 Best Winter Trip en 2017, National Geographic. Leading Culture Destination, Travelers Award, la meilleure ville culturelle au monde. D'ailleurs, ma collègue, Mme Doll, est allée recevoir le prix à Londres il y a quelques mois. Tout comme pour la vitalité économique, les succès de l'industrie touristique est la somme de plusieurs déterminants et de plusieurs secteurs d'activité. Pensons au centre des congrès, aux hôteliers, aux festivals d'été et à nos investissements dans les grands événements, dans l'aménagement du territoire et dans différentes visions que nous avons mises sur pied les dernières années, comme la vision du patrimoine et la vision sur la culture. Nous sommes cohérents, proactifs, et avec Julie Lemieux et les nombreux partenaires, on essaie de voir avec et pour les citoyens. Et n'oublions pas une chose, au-delà de notre rayonnement, qui est crucial pour notre positionnement, l'industrie touristique fait vivre bon nombre de citoyens et de gens d'affaires sur nos rues commerciales. Et enfin, avec de si bons indicateurs et des résultats économiques plus qu'intéressants, une ville responsable doit aussi investir dans son développement social et encore davantage si les conditions sont favorables. La prospérité d'une économie doit servir au bien-être des citoyens et à son développement social. Je suis assez fier de dire que toute mon équipe me suit dans cette volonté et que pour nous, investir dans l'humain, c'est une priorité. Nous essayons de répondre aux besoins des familles, des jeunes, des aînés. Il ne faut surtout pas oublier que certains citoyens de nos concitoyens ont tout de même des conditions de vie difficiles et beaucoup plus difficiles. Et ça, c'est vraiment tous les jours que ça nous préoccupe. Nos actions s'appuient sur la vision du développement social qu'a élaborée ma collègue Chantal derrière moi, que nous avons lancée en 2013 et qui continue d'être un guide pour nous. Évidemment, je ne passerai pas tout au peigne fin, mais voici quelques-uns de nos engagements et de nos réalisations. Les élus dans les quartiers le savent plus que quiconque, en investissant dans la construction et le financement des activités de nos centres communautaires, on favorise les loisirs,
les sports et l'engagement bénévole en plus de briser l'isolement des personnes. Par exemple, le nouveau centre communautaire Le Bourgneuf, le centre communautaire du Plateau, le YWCA en travaux, le nouveau centre Monseigneur Marcoux, on va l'appeler comme ça pour l'instant, le centre communautaire des Chutes qui sera agrandi, le centre communautaire tout nouveau au cœur du quartier Saint-Roch qui sera bâti bientôt, dont la construction va commencer bientôt. Et ces lieux populaires sont des atouts indispensables pour le vivre ensemble. Parlons du vivre ensemble. De différentes manières, on lutte contre la pauvreté et l'exclusion en soutenant financièrement des organismes spécialisés, et on les adore et on les remercie, comme Squat Basseville, le projet Lune, la Maison de l'Aube-Rivière et Pêche. Et ma collègue Chantal Gilbert l'a déjà mentionné, ses partenaires sont à nos yeux, nos oreilles et nos bras. Leurs connaissances et leur expertise sont essentielles, et je le répète, sans le milieu communautaire à Québec, sans un milieu communautaire dynamique, la ville ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. Ils ont et ils auront toujours notre appui. D'un autre côté, on soutient différentes initiatives pour développer le potentiel des jeunes, notamment en leur permettant de bouger sur nos terrains de soccer, dans nos piscines, nos arénas, ou dans nos parcs ou dans nos jets d'eau. Que ce soit par des motivateurs comme Luc Richer, qu'on salue, Sylvie Bernier ou encore Pierre Lavoie, qui a fait bouger beaucoup de monde au Québec avec son grand défi dans les derniers jours. On n'en démarre pas, les saines habitudes de vie, il faut les encourager. Et je pourrais donner des exemples multiples, Madame la Présidente, et j'achève, de nos investissements dans l'humain, car plusieurs autres axes viennent s'ajouter à la vision de développement social. Parlons de l'habitation, le logement social, la sécurité urbaine, la vie culturelle, etc. Et tout cela mis ensemble contribue à faire de Québec un milieu de vie de qualité, en santé, où tous les citoyens et citoyennes peuvent y trouver leur compte, peu importe leurs moyens et leurs besoins. Notre ville n'est pas uniquement prospère, innovante et accueillante, elle est aussi diversifiée, dynamique et solidaire. Et en terminant, Madame la Présidente, je voudrais conclure sur un dernier point. Québec est fière. Elle est fière et elle est aussi de plus en plus belle. Dans ma vision, investir dans l'économie, dans le tourisme et dans le social, c'est aussi investir dans le cadre bâti. Nous allons promouvoir la conception de nouvelles places publiques, éphémères, et nous ne le répéterons jamais assez, parfois, des aménagements simples et pas trop coûteux peuvent faire une grande différence pour la qualité de vie et pour l'appréciation de l'environnement qui nous entoure. C'est la même chose avec les rues conviviales. On ajoute quelques arbres, un éclairage différent, on élargit un trottoir ou une rue, et ça devient rapidement, elle devient rapidement beaucoup plus belle, beaucoup plus agréable pour les citoyens, les commerçants, les touristes, etc. Et je pense que c'est un consensus un peu partout dans le monde. Le béton a perdu de son attractivité. En déployant nos différentes visions pour les rues conviviales, pour augmenter la canopée, pour protéger notre patrimoine, pour aménager nos rivières et pour continuer d'être une ville vivante et dynamique, je suis convaincu que nous pourrons continuer de nous démarquer et d'occuper une place forte, enviable à l'échelle canadienne et internationale. Et à cet égard, Madame la Présidente, je peux prétendre que mon administration, notre administration, a développé le visage humain de notre ville. Notre administration a développé le visage humain de notre ville. En plus sincèrement de faire battre le cœur de notre communauté par ses places publiques, grandes ou petites, ses ruelles qui seront plus vertes et ses rues bien plus accueillantes, c'est un travail que nous considérons comme étant des plus stimulants. Merci. Merci, M. le maire. J'invite maintenant la chef de l'opposition, Mme Guirette, à prendre la parole. Merci, Mme la Présidente. Alors, je prendrai beaucoup moins de temps que le maire. Je vais répondre quand même brièvement. Effectivement, Québec est une ville exceptionnelle, une ville belle, patrimoniale, naturelle, sécuritaire, égalitaire. Québec, c'est la ville que j'aime le plus au monde, Madame la Présidente. C'est la ville où je suis née et où j'ai eu la chance de grandir. Et sans oublier les citoyens de cette belle ville, des gens extraordinaires, des gens de cœur, chaleureux, accueillants, fiers. Et c'est pour ces raisons-là, Madame la Présidente, que j'ai envie de servir Québec et ses citoyens.
C'est pour ces raisons-là que j'ai envie de contribuer avec tous les autres acteurs du milieu qui veulent travailler pour embellir cette ville-là. Donc, je veux contribuer avec les forces vives à rendre la ville de Québec toujours plus belle, toujours plus riche, toujours plus agréable à vivre pour tous et qu'on soit fiers de la léguer en héritage à nos enfants. Merci, Madame la Présidente. Merci. D'autres interventions sur le sujet principal de Monsieur le maire? Monsieur Julien, vous avez 3 minutes. Oui, merci, Madame la Présidente. Bien, moi, je suis totalement d'accord avec tout ce que le maire a énoncé. Ça va bien à Québec, ça va même très bien à Québec. Économiquement parlant, notre région, par ses résultats, fait l'envie de plusieurs autres régions, ailleurs au Québec, ailleurs au Canada, ailleurs en Amérique. Et M. le maire l'a mentionné, il a été fait mention d'attraction d'entreprises, d'investissements étrangers, de création d'emplois. Et on a plusieurs exemples, des exemples assez concrets, qui montrent l'importance d'attirer des investissements étrangers et surtout leurs impacts sur l'économie régionale et sur la création d'emplois. Certains ont été nommés l'avenue de IKEA dans la nouvelle zone commerciale d'ici 2018. Là, on parle d'un investissement approximatif de 100 millions de dollars. On parle de 400 emplois directs et indirects. On parle d'une zone commerciale qui comportera 5 millions de pieds carrés, 500 000 mètres carrés, et 1 million de pieds carrés spécifiquement pour IKEA. Donc, IKEA va générer effectivement également des revenus de taxes, des revenus de taxes de plus de 1 million. Mais ça fait de la création d'emplois, ça vient favoriser le développement économique. Même chose pour Medicago, l'usine en 2019, là, on parle de 200 emplois créés. On parle de 460 millions en retombées économiques d'ici 2020. Donc oui, c'est l'attrait de la ville qui permet ça. Et il y en a plein d'exemples comme ça où on voit de l'emploi nouveau qui arrive, des investissements étrangers qui viennent dynamiser la ville. Pourquoi ils viennent ici? Parce qu'on est attrayant, Madame la Présidente. Et on regarde aussi la perspective d'avenir, puis elles aussi sont excellentes. Là. Quand on parle du secteur non résidentiel, le développement du secteur non résidentiel, actuellement, là, il y a plus de 230 projets majeurs qui sont en cours ou qui sont annoncés pour venir dans les prochaines années. On parle de 8 milliards d'investissements. Juste entre 2011 et 2016, à chaque année en moyenne, c'est 955 millions qui étaient investis dans le secteur non résidentiel de la région. C'est fantastique. Pour le secteur résidentiel, c'est un peu la même chose, là. Il y a près de 100 projets en cours qui ont été annoncés dans la région pour un total de 2 milliards de dollars. Donc, c'est l'attrait de la ville. Il y a le commercial, il y a le bureau, il y a le résidentiel. Et ça, là, quand ça se met à tourner, puis ça tourne depuis plusieurs années à Québec, là, un vient enrichir l'autre et ça fait en sorte qu'on a des résultats comme on a aujourd'hui, c'est-à-dire des résultats exceptionnels, premier de classe au Canada. C'est grâce à ces éléments-là où on vient chercher des investissements étrangers. Et Madame la Présidente, je conclurai là-dessus, ces gens-là ne viennent pas ici pour rien. Ces gens-là viennent chercher un milieu de vie, un milieu de travail, viennent chercher en réalité une ville attrayante avec tout ce que ça comporte, tant en termes culturels qu'en termes de qualité de vie, qu'en termes de sécurité. Et force est de constater que la roue tourne, et la roue tourne bien pour Québec, et il faut poursuivre sur cette lancée-là. Merci. Merci. Madame Trudel? Madame la Présidente, le maire faisait état du rayonnement de la Ville de Québec et j'ai eu le plaisir, depuis le dernier conseil de ville, d'assister au 12e anniversaire d'Azimut Santé, qui est un organisme qui fait la promotion des saines habitudes de vie des jeunes de 0 à 17 ans. Et j'ai le plaisir ce soir, parce que le maire parlait des saines habitudes de vie, de lui transmettre, je suis le facteur ce soir, qui lui transmet une plaque de l'organisme Azimut Santé. Et si vous me permettez, je vais en faire la lecture, qui est adressée à M. Régis Labeaume, Cercle des ambassadeurs. Donc, ensemble, nous avons créé un milieu de vie favorable pour l'adoption et la pratique de saines habitudes de vie chez les jeunes 0-17 ans de Beauport. Donc, cette plaque est remise en reconnaissance de votre soutien, M. Labeaume,
Le comité Azimut Santé vous remercie. C'est pour votre corps d'athlète. Merci, Madame la Présidente. Merci. D'autres interventions sur le sujet principal de Monsieur le maire? Oui, Madame Jean. Sur un autre sujet, j'ai été interpellée par les propos du maire qui parlait de la vivacité du tissu entrepreneurial à Québec. Puis c'est vrai que ce tissu-là est beaucoup plus vigoureux qu'il l'a été dans les dernières années. Parce que vous savez, à Québec, d'un sens, on est victime de nos avantages sur le plan économique quand on parle d'entrepreneuriat. Parce qu'au Québec, dans la plupart des villes, où les gens développent des entreprises. Souvent, c'est parce que le taux de chômage est très élevé. Au Québec, on développe souvent par nécessité, comme on appelle là, dans le milieu de la recherche en entrepreneuriat. On n'y va pas par opportunité, par spontanéité. Alors qu'à Québec, depuis quelques années, on voit un virage, même si le taux de chômage est très bas, même s'il y a beaucoup d'emplois disponibles, il y a plusieurs habitants de la ville de Québec qui décident de travailler à leur compte et créer leur entreprise. Et c'est très impressionnant de voir cette montée-là se faire depuis quelques années. On étudie à la ville de Québec justement les intentions entrepreneuriales et le nombre d'entreprises qui démarrent chaque année depuis 2011. Et c'est une étude qu'on refait à tous les deux ans. Et la dernière étude qui a été publiée en 2015 démontre qu'il y a vraiment une très grande augmentation, notamment au niveau des intentions d'entreprendre des citoyens de Québec. On est passé pratiquement de 9 % maintenant presque 18 % des gens vraiment de tout âge qui développent toutes des entreprises dans tous les spectres, dans tous les secteurs d'activité. C'est vraiment très impressionnant de voir cette montée-là. Mais si ces chiffres-là sont aussi stimulants, bien c'est surtout grâce à nos jeunes à Québec. Les jeunes de 18 à 35 ans, si on se fie seulement à cette cohorte-là, ils sont près de 30 % à avoir l'intention de démarrer une entreprise sur le territoire de Québec d'ici les trois prochaines années. Je vous avoue que ça, c'est des chiffres qu'on n'avait jamais vus au sein de la région, au sein de l'agglomération de Québec. Alors, c'est porteur de beaucoup, je pense, de belles nouvelles au niveau économique pour les années à venir, parce que ce sont quand même nos entreprises qui nous permettent de diversifier aussi notre économie, d'être plus solide quand il y a des fluctuations au niveau, au niveau mondial. On le sait maintenant, on est tous interdépendants. Alors, c'est très, très intéressant de voir qu'est-ce qui se fait à ce niveau-là. Je tenais quand même à porter cette attention là-dessus. Et je voudrais terminer aussi pour rappeler que depuis 2-3 ans, on a vu vraiment à Québec une belle synergie se développer au niveau de l'écosystème entrepreneurial. Maintenant, la division de l'entrepreneuriat réunit les 60 organismes qui travaillent au niveau de l'animation, au niveau du financement, de l'accompagnement des entreprises. On a vu atterrir maintenant le camp accélérateur incubateur qui est toujours pratiquement sold out pour toutes ces activités, toutes ces formations, qui a attiré 7 ou 8 entreprises étrangères à travers toutes les entreprises qui sont locataires depuis son début. On a Innovexport qui a vu le jour, Innocentre aussi avec son programme d'accélération qui lui aussi accompagne les entreprises chaque semaine. Et on a également vu plusieurs nouvelles initiatives découdre de tout ça, là, parce que les gens se parlent. Alors, il y a beaucoup moins de dédoublements sur le territoire. Nous, à la division de l'entrepreneuriat, on rencontre ces organismes-là plusieurs fois par année et, justement, ça soutient de belles collaborations. Et la bonne nouvelle également, c'est qu'il y a près de la moitié des gens qui se lancent en affaires, qui font affaire avec les organismes sur le territoire, qui maintenant se parlent, se concertent et, évidemment, cohabitent souvent parce que la plupart ont leur pied à terre autour des locaux de la division de l'entrepreneuriat et du camp. Alors, une belle série d'annonces vont sûrement surgir encore dans les années à venir quand on voit tout l'écosystème qui travaille autant main dans la main. Et j'attire votre attention sur le nouveau site Web, les nouvelles pages à la Ville de Québec qui sont maintenant beaucoup plus, je pense, arrimées avec les besoins des entrepreneurs. Les gens peuvent trouver toutes les formations, tous les organismes disponibles pour l'entrepreneuriat. Alors, j'invite vraiment les gens à consulter notre nouveau site Web au niveau de l'entrepreneuriat. Merci, Madame la Présidente. Merci. D'autres interventions? Madame Gilbert? Oui, merci, Madame la Présidente. Moi, j'aurais vous aborder sur le sujet du logement social. Parce que si c'est quelque chose qui est vraiment une grande réussite dans les grandes années, c'est notre capacité à avoir été capable d'insuffler une très grande vitalité par rapport à ça. Je vous rappelle qu'il n'y a jamais eu autant de logements sociaux qui se sont créés que depuis les dernières années, c'est-à-dire les 8 dernières années. Et juste pour vous dire, en 2016, ici, il y a... Je vais devoir mettre mes lunettes, je suis désolée. En 2016, nous avons livré 252 unités de logement social et pour 2017-2018,
2018, ce qui est prévu. On espère qu'on atteigne ce nombre-là, mais si ça ne se fait pas en 2018, ça va être reporté plus tard. On en est à 849. Alors, c'est énorme pour une ville de la grandeur de Québec d'avoir réussi à faire autant de logements sociaux que ça, et surtout dans tous les quartiers de la ville de Québec. Ils ne sont pas concentrés au même endroit, tel que notre volonté le voulait. C'était d'être capable d'aller les installer là où les milieux le demandaient, c'est-à-dire les milieux moins bien nantis, pour ne pas déplacer la clientèle, ne pas déplacer les citoyens inutilement. On est quand même très, très sensible à la réalité du marché de l'habitation. En ce moment, avec le taux d'inoccupation qui est très élevé, on est quand même très soucieux de ça et on est à l'écoute aussi des propriétaires privés qui ont beaucoup de logements sur le marché qui peuvent être alloués. Alors, actuellement, d'ailleurs, vous allez voir qu'en 2018 surtout, beaucoup des unités que nous allons consacrer au logement social vont être pour le volet 3. Alors, pour les personnes qui s'y connaissent moins en logement social, le volet 3 s'adresse à des clientèles qui sont à besoins particuliers. Je vous donne des exemples, pêche, vivre chez soi, des personnes âgées à perte de mobilité ou des personnes qui ont des problèmes de santé mentale ou de problèmes de physique, si vous voulez. Alors, on va vraiment miser sur cette clientèle-là pour s'assurer que les personnes pour qui c'est encore plus difficile de trouver un logement soient favorisées. Et bien sûr, notre projet de guichet unique dont nous avons parlé dans un des derniers conseils municipaux aussi va nous aider à être encore plus performants au niveau du logement social. Alors, c'est avec très, très grande fierté, je peux vous dire, que nous continuons à amener ces dossiers-là, mais je pense que nous sommes... Premièrement, je voudrais pas oublier de remercier les fonctionnaires à la Ville de Québec qui travaillent sur ces dossiers-là, le service de l'habitation, qui fait un travail d'accompagnement extraordinaire auprès des GRT, que je voudrais aussi remercier, c'est-à-dire Action Habitation sur Saco, Immeuble Populaire, et bien sûr l'OMHQ de Québec, qui travaille vraiment avec une très belle concertation avec les OBNL sur le terrain et la Ville de Québec. Alors, c'est vraiment grâce à tous ces gens-là que nous arrivons à faire, encore une fois, de notre ville une ville beaucoup plus inclusive, une ville beaucoup plus humaine que ce qu'elle était, elle ne fait que s'améliorer, en fait. Alors, on va s'assurer de continuer dans ce sens-là. Merci, Madame la Présidente. Merci. Madame Verroux. Merci, Madame la Présidente. Alors, on a entendu, là, jusqu'à date, parler de développement économique, développement touristique, logements sociaux aussi, développement social. C'est super intéressant. M. le maire a aussi mentionné investir dans l'humain. Alors, dans l'humain, évidemment, c'est s'offrir une meilleure qualité de vie, un milieu de vie plus agréable, plus destiné à tout le monde, où tout le monde va y trouver sa place. Alors, les rues conviviales, comme on sait, cette nouvelle façon de faire, je pense que c'est destiné justement à permettre à tout le monde de profiter de son milieu de façon adéquate, un meilleur partage des voies publiques, des aménagements publics également. On s'en vient aussi avec les ruelles vertes. On sait qu'il y a déjà un programme existant, mais vraiment, on a revu le programme en entier. D'ici quelques jours, vous devriez en savoir davantage. C'est vraiment ce projet-là de ruelles vertes. Il va y avoir une ruelle de démonstration également, mais c'est de permettre aux citoyens de se redonner un espace dans des milieux très densifiés comme Limoilou. Alors, vraiment, ça, c'est quelque chose de grand. Il ne faut pas penser qu'on arrive en 2017 avec ça. Ça fait au moins 4-5 ans qu'on travaille sur tous ces projets-là. C'est un travail de longue haleine de ce dont on vous parle ce soir. Si on parle du parc Saint-Roch, le parc Saint-Roch manque un peu d'envergure. On sait déjà qu'on va annoncer prochainement quelque chose d'assez spécial. On a entendu parler quand même là, du projet de place éphémère au parc Saint-Roch, mais il faut réinvestir ce lieu-là aussi, attirer les citoyens vers ce lieu-là. Saint-Roch en a grandement besoin. Ils n'ont pas, à part, il y a le parc Victoria, mais ce secteur-là de Saint-Roch en a grandement besoin. Je pense que c'est une fierté. On a la qualité de l'air aussi. Je pense que ça faisait des années qu'on ne s'était pas préoccupé autant de la qualité de l'air. Il est arrivé des événements, on a pris ça très au sérieux, on travaille depuis 4 ans là-dessus, sans relâche. Le comité de vigilance existe toujours. L'étude est lancée, la Ville a mandaté le CIUS pour faire la santé publique, pour faire une étude. Alors, je crois que tous ces gestes-là, c'est merveilleux dans
ce que je vous ai présenté, c'est que c'est toujours travailler avec la collaboration citoyenne. Il n'y a pas un projet là-dedans où il n'y a pas des comités de citoyens qui travaillent à l'élaboration, qui travaillent à l'avancement et au développement. Alors, je pense que pour ce qui est de la qualité de vie, investir dans l'humain, ne serait-ce que ces projets-là, je pense que ça va apporter beaucoup à la qualité de vie des citoyens. Merci. Merci. Monsieur Normand? Oui, merci, Madame la Présidente. Il est incontestable, je pense, qu'une bonne part de notre vitalité économique comme ville est attribuable au succès de la stratégie de développement économique. Monsieur le maire en a fait état abondamment. Québec est en mode innovation et ça paraît. Mes collègues ici ont souvent fait de vibrants plaidoyers pour informer la population à quel point notre performance économique s'appuie sur l'innovation et la créativité des entreprises de la Ville de Québec et de l'agglomération. L'appui à l'innovation et à la créativité est l'axe majeur de la stratégie. Et le programme des vitrines technologiques roule tempête, comme on dit. Une vitrine technologique, c'est un programme qui permet à des entreprises d'ici d'étaler, comme dans un étalage, dans une vitrine, d'étaler sa solution ou ses méthodes de travail pour pouvoir les tester, soit avec la Ville de Québec, soit sur le territoire de la Ville de Québec, et pouvoir éventuellement la commercialiser. Justement, parlant des vitrines, on en dénombre actuellement 34. Il y a au total 22 projets qui sont acceptés et 12 projets qui sont présentement à l'étude. Les 22 projets acceptés ont un coût total de près de 6,3 millions et la Ville les a soutenus à la hauteur de 4,2 millions. Grâce à ces choix que nous faisons au fil des semaines, nous sommes leaders en biotechnologie et en pharmaceutique, en multimédia et jeux vidéo aussi. Notre stratégie axée sur l'innovation permet aussi de contribuer au recrutement de talents étrangers. Citons simplement, à titre d'exemple, l'influence de l'innovation dans le quartier Saint-Roch. Les entreprises qui y sont installées dynamisent le quartier, amènent de nouvelles clientèles dans les commerces et créent de la synergie avec l'ensemble des autres intervenants du milieu. Juste pour citer quelques bénéfices là, des vitrines technologiques, il y en a pour les entreprises, mais il y en a aussi pour la Ville de Québec. Pour les entreprises, c'est un levier plus qu'intéressant sur la capacité pour celles-ci à commercialiser leurs innovations technologiques. Ça leur permet de démontrer des technologies innovatrices, de développer des nouveaux marchés, autant au Canada qu'à l'international. Ça permet de démontrer également des fonctionnalités et des solutions technologiques à des problèmes qui sont à la Ville ou ailleurs dans les entreprises. Ça permet de qualifier et de quantifier les avantages réels d'une technologie. Et enfin, ça permet d'élever les seuils de pénétration des entreprises pour des marchés éventuellement. Pour la Ville, développer des nouvelles méthodes d'analyse et de travail pour nos équipes sur le terrain, disposer de nouveaux outils d'aide à la décision ou de systèmes experts éventuellement, bénéficier évidemment des retombées économiques des solutions qui sont mises de l'avant et soutenir le développement des entreprises afin d'augmenter leur crédibilité et leur légitimité dans les marchés dans lesquels ils sont. En conclusion, Madame la Présidente, investir dans l'innovation, c'est nous dépasser, c'est nous démarquer, c'est nous imposer sur la scène internationale en aidant le développement du savoir et ça crée des centaines d'emplois à Québec. Merci, Madame la Présidente. Merci. J'invite maintenant Madame Lemieux à prendre la parole. Oui, merci, Madame la Présidente. Effectivement, Québec se porte bien parce que, et on le constate, entre autres, la ville s'embellit de plus en plus grâce, oui, à ces places publiques qui sont en train d'émerger un peu partout sur le territoire, les places publiques éphémères, mais aussi permanentes, grâce aussi aux parcs, aux anciens parcs qu'on rénove, mais aussi aux futurs parcs qu'on crée de plus en plus, un peu partout aussi sur le territoire, les nouvelles pistes cyclables aussi qu'on aménage aux quatre coins de la ville, mais aussi Québec s'embellit parce qu'il y a plusieurs verrues présentement qui sont en train de disparaître sur le territoire de la ville. Je pense entre autres aux écoquartiers de Simonville, Pointe-aux-Liens. Il faut se souvenir, il y a 25-30 ans, ces terrains-là sont abandonnés depuis 25-30 ans et là, maintenant, la vie est en train de reprendre. Pointe-aux-Lièvres avec la tour Origine là, qui est unique en son genre et le projet Habitus aussi qui va accueillir des humains très bientôt. Là, c'est presque un miracle de voir enfin de la vie sur ces terrains-là. Même chose sur d'Estimonville aussi. Cet été, on va construire un nouveau parc dans l'écoquartier d'Estimonville. On va construire des infrastructures. Les terrains sont en vente présentement. Donc, il y a de l'appétit pour Québec. Les promoteurs sont au rendez-vous pour acheter aussi dans ces écoquartiers-là. Donc, ça veut dire que la ville se porte effectivement
très bien. On travaille sur les PPU Belvédère, Saint-Roch également, pour attirer plus d'humains, pour embellir encore là, encore davantage ces quartiers-là. Et encore une fois, on constate que Québec va bien parce que les demandes sont là, parce que les gens veulent investir dans ces quartiers. Nous, notre responsabilité maintenant, c'est de trouver l'équilibre entre les demandes parfois peut-être un peu trop grandes des promoteurs et les besoins des citoyens. C'est ce qu'on fait. On mesure le pour et le contre et on cherche l'équilibre dans tout ça. Mais en tout cas, la bonne nouvelle, c'est de sentir, de savoir que les gens ont envie d'investir dans Québec, ont envie de contribuer à son embellissement, que les citoyens ont envie de revenir au centre-ville aussi, achètent des condos, achètent des maisons dans le centre-ville, dans les quartiers neufs, comme les éco-quartiers. Donc, c'est la preuve que l'économie se porte bien et que les efforts d'embellissement qu'on fait sur le territoire nous donnent vraiment le vent dans le dos. Voilà, merci. Merci. Monsieur Arnoul. Merci, Madame la Présidente. Si vous me permettez, je vais aller dans la même veine que mes collègues, que M. Julien. Moi, je voudrais vous entretenir sur les espaces à bureaux à Québec, les espaces dans les parcs industriels et également le commerce de détail. Tout d'abord, bien, évidemment, quand on parle d'espace à bureaux à Québec, on a le taux, un des taux d'inoccupation les plus bas au Canada, 9% selon Evans & Young en 2017. Alors, évidemment, c'est sûr que ça, c'est un indicateur d'une bonne économie. Également, quand on a des compagnies privées qui nous annoncent des projets comme le Fabre, écoutez, c'est sûr que ça fait partie d'un vent d'optimisme, Madame la Présidente. Quand on regarde tout ce qui se passe au niveau des parcs industriels, c'est un secret de polichinelle, il n'y a plus de place dans nos parcs industriels sur le secteur de la Ville de Québec, Madame la Présidente, tellement que quand on en ouvre, c'est presque vendu d'avance. On parlait du projet de Medicago qui est chez nous à Beauport, Madame la Présidente. Ils prennent presque toute la place, sinon toute la place. Alors, écoutez, c'est un autre signe que ça va bien. Et si je me permets d'aller dans la veine du commerce au détail, qui est une industrie en mutation dans les dernières années, on sait qu'avec tout Internet, c'est une industrie qui a connu des hauts, qui a connu des bas. Mais malgré tout, quand on voit des endroits comme les Galeries de la Capitale qui investissent 40 millions de dollars en rénovation, des compagnies comme Saks Fifth Avenue qui viennent s'établir à Place Sainte-Foy, qui d'ailleurs aura fait tout son stationnement, et autres, et puis des annonces comme les passerelles Place Laurier, Place Sainte-Foy, je pense, Madame la Présidente, qu'on peut conclure que ça va bien à la Ville de Québec et que l'économie va bien. Merci. M. Légaré. Merci, Madame la Présidente. Alors, c'est tout le temps intéressant de faire une reddition de compte comme ça et de se rappeler les grands dossiers des dernières années. Je pense que c'est très, très, très important de le faire. Je vous dirais que ce que je retiens le plus dans à peu près tout ce que j'ai entendu depuis tantôt, que ce soit au niveau social, que ce soit au niveau développement économique, que ce soit au niveau des bibliothèques, que ce soit au niveau de toute la stratégie de mon collègue Jonathan sur l'aspect financier, l'aspect des parcs industriels, tout ce que j'ai entendu ici ce soir provient de stratégies qui ont été déposées il y a de ça parfois 6 mois, 1 an. Alors, on a déposé ici des stratégies, on s'est donné des objectifs et on atteint ces objectifs-là. Alors, il n'y a rien qui est à l'aveuglette ici, il n'y a rien qui n'est pas planifié. Tout est planifié, tout est déposé, on se donne des stratégies, on se donne un branding, on se donne des objectifs et quelques mois plus tard, lorsqu'on fait des redditions de comptes comme ça, on se rend compte qu'on atteint nos objectifs. Et le résultat de ça, bien, ça donne des Disney qui viennent s'installer à Québec pour des ports d'attache. Ça donne des grandes entreprises qui viennent chez nous. Alors, il n'y a rien qui est laissé à l'aveuglette. Il n'y a rien qui n'est pas planifié. Et ça, moi, c'est ça qui m'allume dans cette reddition de compte-là qu'on fait aujourd'hui. Alors, parfois, tu as un IKEA qui te lâche un petit coup de fil et qui te dit « Oui, on s'en vient chez vous. » Tu as des bonnes nouvelles qui arrivent comme ça, qui est tant mieux. Mais tout est planifié. Tout est planifié, il y a des stratégies qui sont faites, il y a des choses qui ont été déposées il y a de ça quoi, là, 1 an, 2 ans, et on voit les résultats maintenant. Alors, continuons à je vous dirais, puis tantôt, mon collègue Julien a déposé la reddition de compte, on va en parler cette semaine. Encore une fois, il n'y a rien qui est laissé à l'aveuglette. Tout est planifié, tout est ordonné, et ça, moi, c'est ça que j'adore dans cette reddition de compte-là. Alors, continuons à bien le planifier pour les prochaines années, à se donner une vision sur un 4, 5, 6, 7 ans, parce que ça fonctionne. Alors, c'est ce que je retiens dans le message aujourd'hui qu'on entend à l'Hôtel de Ville. Merci. Merci. D'autres interventions sur le sujet principal, M. le maire? Non, dans ce cas, j'invite Mme Guérette en intervention principale. Merci, Mme la Présidente. Alors, ce soir, on va faire un petit retour dans le passé. En 2009, vous savez, j'étais nouvellement élue depuis 2 ans. Et puis, je m'intéressais beaucoup, bien sûr, au patrimoine, vous le savez. Et j'écrivais une lettre dans le Journal de Québec
pour parler, en fait, de ma vision pour l'avenir du terrain du Patro Saint-Vincent-de-Paul. Fait que je vais vous lire le contenu de cette lettre, juste pour vous faire part de la vision que j'avais, de ce que je demandais au maire de faire pour faire avancer le dossier. Madame Guérette, je m'excuse juste un petit instant. Oui. Je voudrais juste m'assurer, parce que comme vous savez, en fonction du règlement, les sujets qui sont inscrits à l'ordre du jour ne doivent pas être traités lors de la période d'intervention générale des membres du Conseil. Et nous avons la vision du patrimoine qui est inscrite ce soir à l'ordre du jour. Je voudrais juste m'assurer que l'entièreté de votre intervention ne porte pas sur la vision du patrimoine. Mon intervention porte sur la vision pour l'avenir du Patro Saint-Vincent-de-Paul. Allez-y. Merci. Alors, à ce moment-là, la façade était toujours debout. Alors que la façade de l'église Saint-Vincent-de-Paul soit conservée, démolie, démantelée ou reconstruite, ce qui importe d'abord et avant tout, c'est que la Ville de Québec mette tout en œuvre pour assurer la réalisation d'un projet dont nous serons tous fiers, et ce, pour les générations à venir. Le site de l'ancien Patro Saint-Vincent-de-Paul, qui a été démoli dans l'illégalité, mérite rien de moins que le titre de joyau contemporain du patrimoine mondial. Situé sur un promontoire panoramique au premier plan d'une magnifique perspective sur la ville patrimoniale, ce site doit être développé dans un cadre parfaitement orchestré en harmonie avec le potentiel et les contraintes du lieu. À mon avis, aucun permis ne devrait être délivré tant que la Ville n'a pas déterminé la vision globale de développement de ce noyau stratégique à l'entrée de notre ville. La Ville de Québec est la première responsable de l'aménagement de son territoire. Elle peut et doit se placer la première en lice pour orienter l'avenir de ce site exceptionnel. Elle n'a pas le droit de se défiler. Voilà une occasion en or de démontrer qu'enfin la Ville de Québec est capable de favoriser la réalisation de projets d'architecture et d'aménagement contemporains et novateurs, des projets bien planifiés qui s'inspirent de l'esprit du lieu et qui suscitent l'adhésion et l'enthousiasme de la collectivité. Le patrimoine est une de nos plus grandes richesses à la Ville de Québec. Le maire, Régis Labeaume, doit s'imposer comme un leader dans ce dossier, car ce sont nos enfants et nos petits-enfants qui se souviendront que c'est sous sa gouverne que ce magnifique lopin de terre a été développé. Nous nous en souviendrons comme d'une occasion ratée ou encore d'une opportunité bien saisie. J'invitais le maire à prendre ça en charge, à prendre le leadership. Nous sommes 8 ans plus tard et je pense qu'on peut conclure qu'il s'agit pour l'instant toujours d'une occasion ratée. Je pose la question au maire s'il peut ce soir informer la population de Québec sur qu'est-ce que c'est son projet précisément, exactement pour l'avenir de ce site. Après 8 ans, 10 ans au pouvoir, je pense que les citoyens de Québec sont en droit de s'attendre à ce que le maire de Québec leur dise exactement qu'est-ce que c'est son plan, quelles sont les étapes, qu'est-ce qu'il a l'intention de faire pour justement soutenir la réalisation d'un projet exceptionnel. On est vraiment à l'entrée de la Ville de Québec, patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est un site extraordinaire. S'il y a un lieu où on pourrait qualifier le futur projet de château Frontenac du 21e siècle, il y a vraiment là un terrain qui est vu presque à 360 degrés. Et je pose la question au maire. Je m'attends à ce qu'il nous donne une réponse sur qu'est-ce qu'il a décidé, c'est quoi sa décision, c'est quoi son projet, puis quand est-ce que ça va être réalisé. Merci. Merci. Monsieur le maire, je vous offre le même temps que Mme Guérette, soit 5 minutes. Tout d'abord, c'est juste, il faut que je voudrais rappeler à la chef de l'opposition, c'est une propriété privée.
Quoi que je veuille, elle est privée, elle ne nous appartient pas. Alors, je peux avoir des projets sur le terrain de M. Julien, sur le terrain de la propriété de Mme... de ma collègue ici, de M. Bussière. Je peux avoir des projets sur vos propriétés, mais ils vous appartiennent. Bon, c'est plate, mais ça ne m'appartient pas. En passant, Château Frontenac du 21e siècle, on va relaxer dans l'hyperbole, c'est un peu fort, hein? Restons sur la terre. Ben, le problème, c'est ça que ça ne nous appartient pas. Le problème, c'est que légalement, c'est compliqué à exproprier. Il y a eu maints projets qui nous ont été proposés. Quand un promoteur nous propose un projet, je pense que ce n'est pas le lendemain qu'on dit qu'on va l'exproprier. Puis le problème qu'on a aussi, c'est qu'il y avait deux problèmes. Il fallait modifier le PPU de la colline parlementaire. Les modifications vont permettre, entre autres, l'expropriation de facilité. Puis l'autre problème, c'est qu'exproprier, ça prend des années. On va le faire pareil. Mais ce qu'on attend, on était plus intelligent que ça. On a demandé une modification dans la loi des villes. Et si le projet de loi 122 est voté le plus tôt possible, j'espère que les députés de l'Assemblée nationale nous écoutent. La loi 122 va nous permettre d'exproprier ce terrain-là beaucoup plus facilement, parce que les règles d'expropriation seront beaucoup plus faciles. Bon. Alors, pour ce qui est du projet, on va vous surprendre, Madame la chef de l'opposition. Première affaire, on va le dire en temps et lieu. On a un projet très clair là-dessus, mais on va vous le dire en temps et lieu. Ce n'est pas le moment. On va commencer par s'attendre à ce que 122 soit voté. On espère que la chef de l'opposition votera pour la modification PPU de la colline parlementaire. Une fois qu'on a remis tout ça ensemble, on n'a pas de projet de château Frontenac du 21e siècle parce que ça se peut à peu près pas, là. On va relaxer un petit peu, on prend notre gaz égal. Et une fois que tout sera ça possible, on vous surprendra. On vous surprendra avec notre projet, puis il ne vous restera plus grand-chose à dire sur le patrimoine dans la Ville de Québec. Merci. D'autres interventions sur le sujet principal de Mme Guérette? Pas d'autres interventions. J'invite maintenant M. Boyer en intervention principale. Alors, Mme la Présidente, le 28 mai prochain aura lieu notre première journée de micropuçage à Québec et ce sera gratuit pour 500 propriétaires de chats et chiens. Depuis 3 ans, la Ville de Québec a vraiment changé son approche en matière de gestion animalière. On a consulté beaucoup d'organismes, l'Ordre des médecins vétérinaires, les villes de Montréal, Toronto, Calgary, entre autres, afin de bien connaître quelles sont les meilleures pratiques et se donner un plan de match vraiment pour améliorer notre bilan en matière de gestion animalière. Pour faire ça, évidemment, il faut que le milieu s'implique, que la Ville s'implique et que les citoyens s'impliquent. On a pris de nombreuses actions depuis les dernières années, notamment des patrouilles dans les parcs, des séances de sensibilisation, le guide pour aider les propriétaires d'animaux. On a également débuté notre campagne de sensibilisation et de recensement. Cette année, une nouvelle action qu'on va entreprendre, le micropuçage. C'est un projet pilote qui aura lieu le 28 mai prochain de 10h à 16h, grâce entre autres à la collaboration de l'Ordre des médecins vétérinaires. Il y a 11 établissements vétérinaires à Québec qui y participent, donc c'est majeur. C'est également en collaboration avec le Club canin canadien et Chat Canada Cats, qui sont deux organismes qui sont reconnus vraiment pour leur éthique et les hauts standards qu'ils se sont donnés. Évidemment, on voulait que ce soit simple, et évidemment, ça va l'être. Demain et après-demain, donc le 16 et 17 mai, de 17h à 22h, donc les propriétaires appellent au 311. Ils vont prendre un rendez-vous à l'endroit et à l'heure qui leur convient. Donc, évidemment, comme il y a 500 places gratuites, c'est évidemment la formule premier arrivé, premier servi. Donc, pour le citoyen, il n'y a aucun frais. Donc, la Ville de Québec va payer la micropuce. Il y a un montant pour la fourniture du vétérinaire et on donne 10 $ par animal aux organismes. Donc, évidemment, je remercie l'Ordre des médecins vétérinaires et tous les vétérinaires également, parce qu'ils travaillent bénévolement cette journée-là. Quand on dit que tout le monde doit s'impliquer, alors l'Ordre des médecins vétérinaires est un bon exemple. La Ville de Québec s'implique, l'Ordre des médecins s'implique, les organismes s'impliquent. Maintenant, il faut que le citoyen s'implique. J'invite donc à appeler demain, demain et après-demain, donc 16 et 17 mai, entre 17h et 22h, pour vous inscrire à la journée de micropuçage du 28 mai. C'est un rendez-vous, c'est gratuit. Merci. Merci. Des interventions sur le sujet? Non, dans ce cas, j'invite Mme Jean à prendre la parole.
Madame la Présidente. Alors, de mon côté, encore une fois cette année, j'aimerais interpeller les jeunes familles de la région de Québec à participer à la Grande Journée des petits entrepreneurs. Vous savez, cette journée-là vise à stimuler les valeurs entrepreneuriales, le goût d'entreprendre des projets, le sens d'initiative, l'organisation de nos jeunes, parce que vous savez, le goût de les valeurs entrepreneuriales, ça se développe plus facilement lorsque les jeunes sont contaminés le plus tôt dans leur parcours scolaire, dans leur parcours tout court, pardon, mais aussi à l'école, on le sait bien. D'ailleurs, on finance des initiatives dans les écoles de Québec à ce titre. Mais là, cette fois-ci, c'est hors scolaire. C'est que tous les citoyens, les jeunes familles qui sont composées de jeunes de 5 à 12 ans peuvent développer un projet avec leurs jeunes. Évidemment, pour que ce soit un vrai projet à vraie valeur entrepreneuriale, il faut vraiment que ce soit les jeunes qui soient au cœur du développement, de l'organisation, du choix de l'entreprise. Depuis sa création, cette journée-là a vraiment suscité un bel engouement au Québec. L'année passée, c'est 4000 jeunes entrepreneurs qui, devant leur maison, à même leur cours, ont offert à des citoyens, à des clients, différents produits, services. Évidemment, il ne faut pas commencer un régime cette journée-là, Madame la Présidente, parce que j'avoue que les jeunes sont très productifs au niveau des sucreries et de toutes sortes. Oui, je pense, je vois mon collègue Rémi Normand qui, je sais, a fait une bonne tournée dans son arrondissement la dernière année. Alors, la journée va avoir lieu le 17 juin. La période d'inscription a débuté il y a quelques jours et je peux vous dire, pour l'avoir vécu moi-même avec mes enfants, c'est très, très formateur et ça leur permet vraiment tout de suite, dès leur plus jeune âge, de développer des valeurs qui vont leur rester dans leur parcours. Et évidemment, pour eux, ça leur permet aussi d'être très fiers et de se sentir valorisés par rapport à des actions qu'ils ont menées eux-mêmes. Et évidemment, à Québec, l'année passée, je pense que c'est presque 800 entreprises qui ont été déployées à travers le territoire. Et parfois, il y a des petits rassemblements, comme cette année, on me dit qu'il va en avoir un sur la rue Magoire, probablement un également sur le stationnement du zoo, de l'ancien zoo de Québec. Alors, n'hésitez pas non plus à circuler dans ces kiosques-là. Vous pouvez consulter le nom des entreprises. Vous pouvez voir s'il y en a dans votre quartier. Puis là, il y en a vraiment à la grandeur du territoire de Québec, puis même ailleurs dans la région, et évidemment dans les autres régions. Sur leur site Internet, c'est le www.petitsentrepreneurs.ca. Et j'ai devant moi la liste des petits entrepreneurs qui sont déjà inscrits et qui sont de Québec cette année. Le cèdre de M. Thomas, un petit Thomas de 7 ans qui vend des sacs d'éclats de cèdre, bois d'allumage. Écoutez, il y a les pâtes d'une jeune Marion Bouillé qui est dans le secteur de la rue Forêt de Vernon. Je ne sais pas si c'est chez quel collègue qu'on trouve ça. L'escargot jardinier, production de plantes de jardin de Xavier 10 ans et d'Alexis 8 ans. Donc, vous voyez, il y a une belle variété. Puis je l'ai fait avec mes collègues l'arrondissement des Rivières l'an passé, la tournée, puis je pense qu'on va essayer de le faire encore cette année. On avait même invité les députés provinciaux et fédéraux. Alors, on a fait des emplettes fort intéressantes cette journée-là. Puis j'invite aussi les membres du conseil municipal aussi à aller voir vos jeunes. Vous allez voir qu'on entend souvent parler de toutes sortes d'enjeux au niveau du décrochage scolaire, l'insertion des jeunes, etc. Quand on voit la lumière et le dynamisme de ces jeunes-là qui sont au sein de nos districts, ça nous donne beaucoup d'espoir quant au développement de notre ville. Alors, j'invite vraiment tous les membres du conseil municipal à aller visiter leurs petites entreprises d'un jour, le 17 juin. Merci. Merci, Mme Jean. Monsieur le maire, sur le sujet. Non, Mme Corriveau, allez-y. Merci beaucoup, Mme la Présidente. Bien, je vais mettre aussi à profit ma voix à celle de Natacha, parce que effectivement c'est la 4e édition, puis les jeunes de 5 à 12 ans nous surprennent vraiment. Ça fait 4 années, ça va être ma 4e année que je fais la tournée, et je peux vous le dire qu'il ne faut pas penser diabète, hein, parce que les jeunes, quand ils ont décidé de faire un kiosque avec des sucreries, eh bien, ils en mettent plein la vue, et ils sont très, très... disons, animés à nous faire goûter leur sucrerie. Alors, l'an passé, il y avait des kiosques aussi variés que, oui, des petites bouchées, mais il y avait deux jeunes garçons, je me souviens, deux jeunes garçons qui faisaient de la magie. Alors, ils s'étaient développés quelques trucs, une jeune demoiselle qui avait fait une fabrique de cartes et qui était vraiment mignonne, elle les avait dessinées elle-même. Alors, souvent, c'est la chance pour eux de réaliser l'importance de l'entrepreneuriat, mais c'est aussi notre façon à nous de les encourager et puis de leur montrer que c'est une belle expérience. Il faut vraiment aller faire le tour. C'est mignon comme tout et c'est vraiment agréable. Puis oui, c'est une activité qui est hors pédagogique, donc c'est une supervision où les parents s'y impliquent, mais c'est vraiment eux qui doivent apprendre à faire leur budget, à faire aussi leur inventaire. Et oui, parfois, il y arrive rupture de stock parce que il
y a des gens qui passent avant nous pour faire leurs commandes. C'est faire prendre conscience aussi aux jeunes que la valeur des sous, ce que c'est qu'une transaction, ce que c'est que de négocier aussi. Et ils le font tout ça en s'amusant. Alors, je dirais que pour ce 17 juin, déjà, il y a des gens qui sont déjà inscrits sur le site. Natacha a ciblé le site tout à l'heure, les petits entrepreneurs. Vous allez le trouver rapidement sur Google. Mais c'est une façon d'encourager les jeunes à aller de l'avant avec leur créativité, leur sens de responsabilité, leur autonomie et leur confiance en eux, parce que c'est eux qui doivent faire les ventes et non pas les parents qui sont derrière eux. En terminant, je dirais que cette journée-là, elle est aussi, il faut remercier aussi les parents et les bénévoles, parce que il faut avoir un certain encouragement, parce qu'on ne devient pas entrepreneur. On peut être incité à le faire, on peut avoir beaucoup d'enthousiasme, on peut avoir des moments de découragement, mais les parents sont là derrière. Alors, félicitations à ceux qui s'impliquent. Et puis, c'est un rendez-vous le 17 juin. Faites le tour, ça vaut vraiment le coup. Merci. D'autres interventions sur le sujet? Non, dans ce cas, j'invite M. Julien à prendre la parole. Oui, merci, Mme la Présidente. Je souhaitais revenir ce soir rapidement sur la mission technique. La mission technique, les visites, en fin de compte, qu'on a fait la semaine dernière, la Ville de Québec, accompagnée par le CHU de Québec, les visites où on est allé visiter des équipements en Europe, à la fois des centres de bio, à la fois des incinérateurs. Honnêtement, si ce n'est que j'ai perdu mes bagages pour les trois dernières journées, biométallisation. Ça a été une mission technique. Ouais, la usine de compostage, peut-être, je ne sais pas. C'était une mission technique, franchement, qui nous a permis, avec les gens du CHU, d'aller voir toutes les innovations qui se passent dans sept villes distinctes. On a fait Londres, on a fait Bristol, Montpellier, Creusot, Lons-le-Saunier, on a fait Sundsvall en Suède, on a fait Helsinki, on a visité trois CHU, trois centres hospitaliers, on a visité trois incinérateurs, on a visité des entreprises qui font les systèmes, des manufactures, et on a également visité une usine de robots pour faire le tri mécanique. Et on parle ici de projets qui peuvent avoisiner à la ville, si on va de l'avant, puis on va aller de l'avant, pour la valorisation de la vapeur à l'incinérateur, entre 20 et 30 millions, le projet qu'on va partager avec le CHU, on est encore au préliminaire, avec un nouveau centre hospitalier de l'Enfant Jésus pour justement le rendre en termes de climatisation, de chauffage et en termes également d'électricité pleinement autonome. Et comme le disent les Français, actuellement, on a de la vapeur à l'incinérateur qu'on utilise pour certaines fonctions avec la White Birch, mais ils disent, eux, vous envoyez de l'énergie aux petits oiseaux. Bien oui, effectivement, actuellement, on envoie de l'énergie aux petits oiseaux, c'est-à-dire qu'on a un surplus de vapeur qui n'est pas optimisé, qui n'est pas utilisé, et ces projets-là vont permettre l'utilisation d'une manière plus efficiente. Alors, c'est une vapeur qui est transformée, en fin de compte, en eau chaude, qui peut être transformée en électricité, et on est allé voir tous les systèmes, les coûts des systèmes, comment sont manufacturés par rapport au coût de la ressource. Et naturellement, au Québec, on a des enjeux qui sont différents de ceux de l'Europe. Notre énergie coûte beaucoup moins cher. Alors, toute comparaison, on est allé voir comment les investissements pourront être efficaces. Et honnêtement, on est allé voir ce qu'on peut faire. On est allé voir exactement ce que l'on ne peut pas faire. Et à terme, je vous garantis, Madame la Présidente, que les projets qu'on va développer en partenariat avec le CHU vont être un projet hyper bénéfique, à la fois financièrement, économiquement. Ça va avoir une rentabilité assurée, on le sait déjà, mais également en termes d'émissions de GES, une réduction importante. Donc, c'est un projet qui est bon pour l'environnement, bon pour l'économie des deux partenaires, la Ville de Québec et le CHU. Et je tiens à remercier les gens du CHU, là, Pierre-André, Louis et Eddie, qui nous ont accompagnés, des gens hyper compétents. Et honnêtement, on courait un peu après notre souffle, parce qu'on y allait assez rondement, mais ça valait la peine. Et rapidement, on va faire le bilan quand mes collègues seront revenus d'Oslo, où ils sont actuellement, à la fin de la semaine. Donc, dans les prochaines semaines, on va faire le bilan et on va s'asseoir avec le CHU, justement, pour développer la stratégie, comment on peut valoriser de manière optimale la vapeur de l'incinérateur. Et je vous garantis, Madame la Présidente, qu'on va être très gagnant de cette mission. Merci. Sur le sujet, Monsieur le maire, allez-y.
Oui, Madame la Présidente, on est très malheureux pour notre collègue Julien qui a perdu ses valises. En même temps, on est content d'avoir fini le voyage avec. Le projet est d'alimenter le nouveau centre hospitalier de l'Enfant Jésus, qui sera le centre dans l'Est du Québec. Ce sera un immense centre hospitalier. Alors, quand on parle du CHU, c'est le centre hospitalier de l'Université Laval. Ça va être le maître, le paquebot de toute cette organisation-là, si je peux m'exprimer ainsi. L'objectif est de faire en sorte qu'avec la vapeur de l'incinérateur, on puisse chauffer, hein, là-bas, sur le boulevard Henri Bourassa, le nouveau centre hospitalier, le chauffer, le climatiser et, si possible, le fournir en énergie électrique. C'est pas rien, mais ça, je suis moins sûr un petit peu, là. On va faire le maximum. Ça s'est jamais fait au pays. Ça n'existe pas au pays, un centre hospitalier, et même plus petit, qui soit alimenté de cette façon-là par une énergie qui est de la vapeur industrielle. Alors, je veux juste dire ici comment c'est important de temps en temps de voyager, puis c'est utile. Alors, nous, on a l'idée, la Ville de Québec veut faire ça, les gens du nouveau centre hospitalier veulent le faire, on pense que c'est possible, c'est 20-25 millions, on pense que ça peut être rentable économiquement sur un certain nombre d'années pour la Ville et pour le centre hospitalier, mais la connaissance est ailleurs. Alors, on a l'intelligence d'envoyer M. Julien avec un autre officier de la Ville de Québec et des spécialistes du centre hospitalier universitaire de l'Université Laval, d'aller voir ailleurs ce qui se fait. Peut-être que tout ça ne se fait pas en même temps, mais chacun, quelque part, une petite spécialité, on accumule la connaissance. Et une fois qu'on prend la décision, on design le tout en fonction de ce qu'on a appris en Europe. Et on peut se permettre d'investir et surtout de sécuriser les investisseurs. C'est important. Alors, pour ceux et celles qui font de la démagogie sur les voyages, et j'en connais une personne ou deux ici dans cette salle, je leur dirais qu'on s'appelle ça de l'intelligence pour bien investir et bien dépenser les taxes qui nous sont transférées pour gestion. C'est intelligent. C'est cohérent et c'est exactement ce qu'il faut faire dans ces cas-là, aller chercher la connaissance où elle est pour designer et construire le bon projet à un coût raisonnable et qui soit bénéficiaire autant pour le nouveau centre hospitalier pour la Ville de Québec. Un autre bel exemple qu'à un moment donné, il faut sortir de son village pour aller apprendre ce qui se passe ailleurs. Merci. D'autres interventions sur le sujet de M. Julien? Non? Mme Guérette, allez-y. Écoutez, moi, j'ai des forts doutes là, que ce projet-là est loin d'être une priorité. Là, j'entends, là, on travaille, on met en œuvre nos ingénieurs, notre monde pour alimenter le CHU de Québec avec la vapeur de l'incinérateur. Il me semble que le projet de biométhanisation est un projet prioritaire. On peut pas tout faire, là. Mais moi, j'ai des forts doutes là-dessus. Que ce soit un si bon investissement. On va regarder ça de proche dans les prochaines semaines. Peut-être que vous pouvez nous expliquer aussi quel est votre projet pour l'avenir de l'incinérateur qui devait être fermé, qui finalement, j'imagine, va être conservé longtemps si on décide qu'on valorise la vapeur de l'incinérateur. Donc, non, on nous dit que c'est un projet de 20 à 30 millions, qu'on pense que ça peut être rentable. Ça ressemble à d'autres projets, là, qui sont souvent plus ou moins bien ficelés, que ce soit le SRB ou l'anneau de glace ou le grand marché. Des projets dont on connaît pas, on n'a pas de vision d'ensemble, il manque des morceaux, puis on se lance là-dedans. Moi, j'aimerais en savoir davantage, que le maire explique, comme il faut aux citoyens de Québec, c'est quoi le détail de ce projet-là, puis pourquoi c'est prioritaire. Mais à première vue, là, j'ai beaucoup de questions. Merci. Merci, M. le maire. Madame la Présidente, on parle de développement durable. Je suis estomaqué d'entendre ce que j'entends là. J'en reviens pas. Je pensais pas que c'était possible. Alors, on parle de développement durable, hein? On a un incinérateur qui fournit de la vapeur à une organisation qui s'appelle Wattbush pour sécher le papier. Mais il fournit beaucoup trop de vapeur
pour les besoins de Whitebirch. Donc, on a de l'énergie qui s'en va dans l'atmosphère qui n'est pas utilisée. Et je ne sais pas si la chef d'opposition connaît les principes du développement durable. Les principes du développement durable, c'est de ne laisser aucune source d'énergie renouvelable être utilisée pour rien. On appelle ça du développement durable, Madame la chef de l'opposition. Quand on a de l'énergie qui s'en va à l'atmosphère inutilement, on appelle ça de la perte d'énergie. Et c'est ce que condamne tous les principes du développement durable. Alors, écoutez-moi bien. Le projet, c'est de prendre cette énergie-là, l'envoyer par des canalisations jusqu'au nouveau centre universitaire, l'utiliser pour ne pas le laisser inutilement dans l'atmosphère, pour chauffer le nouveau centre hospitalier, pour le climatiser, contre des revenus. Et ça veut dire qu'en principe, en vertu des principes du développement durable, c'est l'utilisation intelligente d'une énergie qui est renouvelable. C'est ça, le projet. Et si vous avez des doutes, continuez. Nous, on est en train de travailler pour bien positionner la technologie pour que ça fonctionne. On a confiance en nous. On pense que c'est un projet innovateur et d'avenir. On appelle ça du développement durable. Du développement durable. Il n'y a pas à Québec actuellement, en termes de développement durable, un projet aussi ingénieux et en harmonie avec les principes du développement durable. Alors, j'inviterai la chef de l'opposition à aller faire un petit peu de lecture, parce que c'est peut-être le bout qu'elle n'a pas compris ce que ça veut dire véritablement du développement durable. Monsieur Verrette. Merci, Madame la Présidente. Bon, je vais essayer de répondre à plusieurs questions en même temps que j'ai déjà tout répondu. Le programme PTOMO-BC, le programme de financement du gouvernement, finance l'incinérateur, le centre de biométhanisation à plus de 66 %, ce qui inclut aussi la collecte qu'on a choisi aller en sac par un trioptique. C'est financé par le gouvernement, donc c'est un choix. Je rappelle que la biométhanisation, en Europe, c'est plus de 10 000 usines. En Amérique du Nord, c'est 1400. Quand on arrive pour faire un projet de vapeur, on sait que la place... On a beaucoup de place, nous, en Amérique du Nord. En Europe, c'est de l'incinération qu'ils font. Pourquoi M. Julien est allé en Europe? L'incinération, la vapeur, ils connaissent ça. Ils ont des usines de biométhanisation. On a fait un 3-pour-1. On est allé confirmer nos plans. Je reviens à une autre question de Mme la chef de l'opposition. On ne fermait pas l'incinérateur en 2004 dans le projet. Et je l'ai dit à plusieurs reprises et je l'ai redit, là, peut-être trois ou quatre conseils, après avoir eu notre séance d'information du comité de vigilance de l'incinérateur, notre séance biannuelle, nous étions supposés arriver à 177 000 tonnes à l'incinérateur de matières résiduelles en 2024. Et nous allons l'atteindre, nous allons être à 184 000 tonnes dans nos prévisions. Ce qui va nous permettre de réduire améliorer l'efficacité des faux. Pourquoi? Parce qu'on va enlever la matière organique à l'intérieur des faux. C'est un bon point. Et quand les technologies vont le permettre, on va encore retirer des matières résiduelles qui ne sont pas nécessaires aux faux. Donc, on va éliminer un ou deux faux. Mais encore là, M. Julien pourra revenir avec ça et quand il fera un bilan plus complet. L'incinérateur va être capable de fonctionner et donner de la vapeur encore là. On est à la moitié, on vend à peine la moitié de notre vapeur présentement à l'incinérateur, donc, Madame la Présidente. Et pour fermer l'incinérateur, là, oui, c'est un investissement, mais il faut se rappeler qu'en Europe, dans les deux dernières années, c'est la tendance. Parce que est-ce que c'est mieux d'incinérer ou d'enfouir dans nos terres avec ce qui arrive présentement? Excusez, Madame. Donc, l'enfouissement, est-ce que c'est une solution? Non, ce n'est pas une solution en Europe. Il décide d'incinérer. Bonne soirée. Merci. Madame Bérou. Merci, Madame la Présidente. Évidemment, l'incinérateur de la Ville de Québec est un enjeu. Je pense qu'il y a une sensibilité dans le secteur de Limoilou pour l'incinérateur de la Ville de Québec. On s'entend tous là-dessus, mais on travaille excessivement fort pour améliorer la situation. Et faire les bons investissements pour donner une meilleure qualité, le rendre plus performant. La chef de l'opposition nous dit l'incinérateur devait fermer comme si elle n'avait pas l'information.
Ce que je déplore, c'est qu'on travaille avec les citoyens, on travaille avec des professionnels. La santé publique est sur le comité de vigilance d'incinérateurs. On a des représentants là, de tous les conseils de quartier. On a eu une soirée publique d'information sur le rôle de l'incinérateur. Où était la chef de l'opposition qui est tant préoccupée par le dossier de l'incinérateur? Elle aurait reçu une information totale. J'invite d'ailleurs la chef de l'opposition à se déplacer, étant donné qu'elle est très contrariée par le dossier, et aller visiter l'incinérateur de la Ville. Premier pas à faire, visite de l'incinérateur de la Ville de Québec. Après ça, on comprend beaucoup plus de choses. C'est la base en développement, là, quand on est très, très proche du développement durable. Il y a des actions, il ne faut pas tout mêler. Hein. Il y a l'incinérateur qui, en 2004, avait prévu la fermeture en 2024. Nous, on a dit aux citoyens, c'est faux. On ne fera pas à croire que ça va fermer en 2024. Ça ne fermera pas en 2024. Au contraire, on va travailler pour l'améliorer, pour le rendre plus performant, pour améliorer la qualité de l'air dans le quartier. Toutes les données sont disponibles. Il n'y a rien de plus transparent que le comité de vigilance de l'incinérateur. Les gens du comité de vigilance de l'incinérateur sont au courant de tout ça. À la soirée publique, on le dit publiquement. Alors, on ne pose plus la question publiquement. Est-ce que ça devait fermer? Il ne fermera pas en 2024. On est assez honnête pour le dire. En 2004, on a laissé supposer, mais rendu en 2017, ben, les gens de 2004 ne sont plus là. On avait même dit qu'on pourrait le déménager en 2001, en campagne électorale. On ne fera pas à quoi. Moi, je sais qu'on met tous les efforts possibles pour rassurer les gens. C'est tellement transparent. Il y a l'usine de biométhanisation, il y a la valorisation, puis il y a l'incinérateur. C'est trois affaires, là. OK? Mais qui, au bout du compte, tout mis ensemble, c'est ça qui fait qu'on va avoir ça plus performant. Puis pendant qu'on a plus que 50 % de la vapeur qui s'échappe dans l'atmosphère, les gens, eux autres, ils pensent que c'est la pollution qui s'en va dans l'atmosphère, tandis que le trois quarts du temps, c'est de la vapeur saine, là. C'est de la vapeur d'eau. OK, ça veut dire qu'il n'y a aucun contaminant là-dedans, c'est ce qui s'échappe des cheminées de l'incinérateur. Alors, faites attention. Moi, je suis prête à confronter n'importe qui. On travaille très fort là-dessus, mais arrêtez de dire n'importe quoi, puis allez visiter l'incinérateur si l'intérêt est si grand. Merci. Monsieur Julien, un élément de réponse. Oui, très rapidement, en réponse sur certains éléments de la chef de position. Écoutez, là, ce n'est pas des projets farfelus, là, c'est des projets qui existent, c'est des projets qui fonctionnent. À titre d'exemple, l'entente qu'on a avec la White Birch actuellement, là, qui fait en sorte à peu près la moitié de notre vapeur, un peu moins de mémoire, 3 millions par année de revenus pour la Ville. Alors, c'est quoi l'entente qu'on a? C'est, s'ils voulaient prendre une énergie autre que la vapeur pour fonctionner, ça coûterait plus cher. Alors, on a une entente à un juste prix. Alors, si on a à peu près le même montant, puis on verra dans les négociations, puis dans l'entente avec le centre hospitalier, le cas échéant, bien, on parle de 2-3 millions par année, mais on va valider ces éléments-là. On va en mission pour voir, oui, ça fonctionne, comment ça fonctionne, quelle énergie est développée, et à la fin, on va le faire. Et on parle d'un projet qui peut varier parce qu'on a vu des technologies jamais qui nous disent « Ah, le coût pourrait être moindre ». Donc, c'est l'objectif de la visite, c'est d'aller voir ce qui se fait de mieux, ce qui se fait le moins cher, qui est le plus efficace, qui est le plus efficient. Mais à terme, là, c'est économiquement rentable, c'est démontré, c'est clair, clair, clair. 3, on met 10, ils mettent 10. Eux autres économisent sur l'énergie parce qu'ils payent moins cher. Nous, on fait 3. C'est facile, là, c'est un calcul de base. Mais non seulement on veut une rentabilité, on veut la meilleure rentabilité. Alors, il est rentable dans tous les cas de figure, mais avec la visite qu'on a faite là, il va être encore plus rentable. Merci, M. Dion. Oui, Mme la Présidente, merci. Bien, j'aimerais peut-être indiquer à Mme la chef de l'opposition que la Ville de Québec fait depuis plusieurs années regards, examine ce qui se fait de mieux à l'extérieur. J'ai eu la possibilité en 2009 d'effectuer une visite technique et en particulier, il y a deux villes qui étaient vraiment très intéressantes, c'est Stockholm et Vienne. Et il faut voir, ils chauffent des quartiers complets avec la vapeur. Alors, il y en a plein d'exemples en Europe, et ce n'est pas des petites villes, c'est aussi des grandes villes qui utilisent au maximum, et c'est devenu une rentabilité du développement durable. Le développement durable, c'est rentable. Alors, je pense qu'on a tout intérêt à examiner de façon
particulière, on a un outil qui est celui de l'incinérateur et qui fournit de la vapeur. Je ne peux pas comprendre, je ne peux pas m'imaginer qu'on passe à côté d'une denrée aussi importante d'approvisionnement de matière à vendre, des revenus, on utilise ça. Alors, je pense que, Madame la Présidente, je pense qu'il y a des gens qui devraient regarder ce qui se passe ailleurs, puis au lieu de dilapider un projet comme, comme c'est présenté là actuellement, de annuler toute cette vision développement durable, moi, je pense qu'il faudrait sérieusement qu'il y ait des gens qui se mettent à faire leur devoir. Merci, M. Dion. Merci. Madame Gilbert. Je vais être rapide, Madame la Présidente. Je voudrais juste rappeler que je pense que Mme Véro l'aurait fait si elle avait eu plus de temps. Il y a eu une étude de la santé publique sur la santé et de l'air dans Limoilou. Et c'est à cette étude-là que j'inviterais la chef de l'opposition à lire attentivement. Pourtant, elle a été diffusée. C'est un sujet d'actualité. Et dans cette étude-là, ça dit clairement que tous les efforts de la Ville, que la Ville doit faire et a déjà fait jusqu'ici, sont en lien avec exactement le projet que nous proposons à la population maintenant. C'est sûr que plus, moins il va y avoir d'émanation, plus il va y avoir moins d'émanation dans l'air, et ça va être encore une meilleure façon de contrôler l'air dans la ville, dans l'arrondissement au complet dans la ville. Et je voudrais dire que tout ce qui se dit maintenant, tout ce qui a été dit par mes collègues, c'est des choses qui ont été dites et redites depuis longtemps. C'est des notions que l'on connaît, qui ont été expliquées à plusieurs reprises. Et tant mieux s'il y a des personnes dans la salle qui ne l'avaient pas entendu, mais c'est quand même surprenant qu'on doive le répéter pour Mme Guérette ce soir. Merci. D'autres interventions sur le sujet de M. Julien? Non? Dans ce cas, j'invite Mme Gilbert en intervention principale. Je vais vous parler d'un projet que je trouve extraordinaire et que les journaux en ont fait état dernièrement. C'est un projet qui s'appelle l'éphémère. On a eu une magnifique surprise. J'en avais entendu parler, bien sûr, par les organismes, mais déjà, il y a eu une manchette dans les journaux. C'est une place publique. On en a parlé tout à l'heure ici, des places publiques que la Ville va encourager, que la Ville va faire sur les artères commerciales, des demandes venant des citoyens et la Ville accompagne. Là, ici, moi, je vais vous parler d'une place publique qui a été mise en œuvre par des organismes communautaires qui sont très, très importants pour nous, c'est-à-dire Pêche, pour qui c'était des organismes tellement essentiels dans la Ville de Québec, Squat Basseville, le Centre Jacques-Cartier, le Centre de l'Amitié. Il y a aussi, le CIUS est impliqué là-dedans, beaucoup d'autres organismes comme ça dans Saint-Roch. Ils vont faire une place éphémère dans le quadrilatère, sur le boulevard Charest, devant Fondaction, dans un stationnement actuellement occupé. Et c'est une initiative privé, si vous voulez, une initiative qui vient vraiment de gens du milieu, de travailleurs sociaux. Et ça a pour but de créer un lieu d'échange, un lieu de rencontre entre les citoyens et les clientèles de ces organismes-là pendant tout l'été. Alors, j'invite les gens à y aller cet été, le mois de septembre au mois d'août. Excusez-moi, j'entendais des voix juin, juillet et août. Et c'est un lieu qui va être, je trouve, important pour la qualité de vie dans Saint-Roch, mais aussi pour les citoyens, pour aller à la rencontre de ces gens-là qui vivent dans ces quartiers-là, qui ont des choses à partager, qui ont des choses à nous parler aussi. Alors, c'est un lieu qui va être ouvert. J'espère que les médias vont en parler grandement, parce que ces organismes-là qui travaillent énormément pour faire de notre ville une ville plus agréable à vivre vont avoir besoin du support et vont avoir aussi besoin de bénévoles. Alors, je vous remercie de vous y intéresser. Merci. Des interventions sur le sujet? Non? J'invite M. Verrette à prendre la parole. Merci, Madame la Présidente. Très rapidement, c'est juste pour une petite annonce, une petite invitation, c'est-à-dire pour demain. Nous allons lancer la campagne provinciale d'arrachage d'herbe à poux. Tout le monde pense que c'est dangereux de toucher à l'herbe à poux, mais c'est vraiment une plante qui est allergène.
Donc, demain, je vous invite à venir nous voir pour nous dévoiler le plan de match à 11 h ici à la salle de réception. Nous aurons le directeur national de la santé publique, M. Horacio Arruda, sous-ministre, et ainsi que Mme Dominique Massy, directrice générale de l'Association pulmonaire de Québec, qui vont dévoiler le plan de match et nous sensibiliser à cette plante, l'herbe à poux, qui est très allergène, puis la saison s'en vient en espérant que le soleil va s'en venir aussi. Merci, Mme la Présidente. Merci, M. Verrette. Nous en serions à la fin de la première période d'intervention générale des membres du Conseil. M. le maire, en fonction de l'article 54, vous avez 3 minutes pour conclure. Ça va aller. Donc, point 8, première période de questions des citoyens. J'ai avec moi la liste des citoyens qui se sont inscrits pour pouvoir prendre la parole à cette période qui leur est accordée et qui sera d'une durée de 35 minutes. Donc, peut-être que plusieurs gens qui ne sont pas habitués à nos séances conseil, peut-être ceux-ci n'ont-ils pas eu le temps de s'inscrire ou ne savaient-ils pas qu'ils devaient s'inscrire sur la liste. Bref, je commencerai par ceux qui sont inscrits. Par la suite, s'il reste du temps, je demanderai à ceux et celles à main levée s'ils souhaitent intervenir. Je leur donnerai la parole. Donc, pour débuter, je vous rappelle qu'en fonction du règlement, lorsque vous venez prendre la parole, vous avez 1 minute pour à la fois nous dire à qui s'adressera votre question. Vous devez l'adresser à un seul membre du Conseil et faire le préambule et poser votre question. Donc, pour débuter, j'invite M. Denis Desmeules à venir prendre la parole. Bonsoir, monsieur. Bonjour, Mme la Présidente. Bonjour, M. le maire, M. et Mme les conseillers. Directement, la question, en fait, ça concerne le développement du port de Québec, le projet... Pardon? À M. le maire. Ça va être à vous, M. le maire. Ça concerne... donc, je suis Denis Desmeules. Donc, je représente l'organisme Stop Oléoduc Capital National. Je suis dans la circonscription... Denis Desmeules, Stop Oléoduc. Je suis dans la circonscription de Taschereau. En fait, ma question, M. le maire, parce que j'avais un préambule, on va laisser tomber parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. En février, il y a eu l'Agence canadienne d'évaluation environnementale qui est venue à Québec... dans le cadre d'une présentation du projet 2020, Beauport 2020. Et lors de la période de questions, on a posé des questions à M. Girard. Évidemment, la question, c'était, pouvez-vous nous assurer que Québec ne deviendra pas un port pétrolier? C'était ça la grosse question, notre grosse crainte. Parce que il y a tout le trafic de train qui va passer dans Limoilou, sans compter tout le trafic maritime qui va être accru, parce que Québec est un port en eau profonde et ça va attirer probablement des gros bateaux. M. Girard nous a dit que tant qu'il serait là, lui, il n'y en aurait pas de port pétrolier. Mais M. Girard, il y en a peut-être encore juste pour 3, 4, 5 ans. Il va prendre sa retraite un jour, M. Girard. Alors, la question, c'est... Hein, probablement. Alors, ma question, c'est vous, M. le maire, avec les conseillers de la Ville de Québec, est-ce que c'est possible de prendre... Parce que le port pétrolier, ça aurait des impacts négatifs sur la visibilité de la Ville de Québec, probablement au niveau touristique, puis on a fait l'éloge tantôt de toutes les réussites touristiques qu'on peut avoir à Québec et toutes partout, tous les autres domaines, je ne suis pas sûr que ça porterait pas un ombre au tableau, en fait. La question, c'est est-ce que la Ville de Québec pourrait être déterminée à assurer aux citoyens qu'il n'y aura pas de port pétrolier de transbordement dans la Ville de Québec? C'est ça la question. Merci bien. Merci. Bonne question qui arrive à point. D'abord, quand bien même je voudrais le garantir, je n'ai pas légalement la capacité. Alors, mais ce que je peux vous dire, c'est ceci, Mme la Présidente. Je me tiens très au courant de ce qui se passe au port de Québec, très au courant de l'avenir du port de Québec par rapport à l'avenir du port de Montréal, par exemple. Je vous rappellerai qu'on a un tirant d'eau ici qui est exceptionnel, ce qu'il n'y a pas à Montréal. Je pense que c'est important de le dire. Et selon ma vision à moi, l'avenir du port de Québec ne passe pas par le transbordement de produits pétroliers, très sincèrement. Non seulement c'est ce que je pense et ce que j'espère, je tente de collaborer avec le pont en fonction... Je tente de collaborer avec le pont en fonction de cette vision-là et de cette conviction-là. Je souhaite qu'il n'y ait pas de transbordement de produits pétroliers au port de Québec dans l'avenir. Je souhaite qu'il y ait une industrie qui se développe la plus propre possible. Cela est possible, si je peux me répéter, cela est possible. Je travaille en ce sens-là. Malheureusement, je dois arrêter un petit peu là, mais je veux garantir à M. Desmeules que moi, comme maire de Québec, ce que je souhaite, c'est qu'il n'y ait pas de transbordement de combustibles fossiles au port de Québec. Je travaille pour ça.
On travaille avec le port, puis le port a les mêmes convictions, les mêmes souhaits que nous. Et là, à un moment donné, j'espère être capable d'en dire un peu plus, mais dites-vous bien qu'on planche là-dessus, puis on mouille la chemise en fonction de cela. Merci. Merci. J'invite maintenant Mme Roy de la Wade à venir prendre la parole. Bonsoir, Madame la Présidente. Ma question s'adresse à M. le maire. Il s'agit du monastère des Ursulines de Québec. Qu'adviendra-t-il de la chapelle et du monastère lui-même quand les religieuses seront parties? Merci bien, Madame. On va vous répondre. Madame Delouet, ne vous inquiétez pas, vous pourrez continuer à y prier pour moi. Ça me fera plaisir. Je dois dire, avec ce qui s'est passé la semaine dernière, ça n'a pas été une surprise pour nous et on se félicite, Madame Lemieux et moi, de travailler depuis des années avec les Ursulines et les Augustines d'en haut et les Augustines d'en bas. Ce sont les deux congrégations fondatrices de notre ville. Et il y a quelques années, avec Julie Lemieux, on s'est dit « Allons voir les congrégations parce que la statistique est assez simple. L'âge moyen des membres des sœurs de la congrégation augmente et inévitablement, il devrait se passer quelque chose. Et ce qu'on a tenté d'éviter, c'est qu'il y ait à un moment donné une crise où les sœurs doivent quitter ces lieux fondateurs-là et qu'on tombe avec le problème des mains. Alors, quand arrivent des crises comme ça, les gouvernements ont tendance à s'éclipser, puis comme par hasard, ça tombe sur le bureau de Mme Lemieux ou bien sur le bureau du maire. Et donc, on travaille depuis quelques années avec les Ursulines. La chapelle va rester là. Écoutez, ce qu'il y a d'extrêmement patrimonial et sacré va rester là. Ce sont des splendeurs incroyables et ça va rester disponible et ouvert pour le public. Pour le reste, parce que c'est assez grand, on a déjà travaillé avec les sœurs pour que la Ville de Québec établisse un service éventuellement. On est en train de travailler là-dessus. On a travaillé avec les sœurs Ursulines pour y établir un CPE. L'enseignement, l'école primaire va bien. Les gars ont été admis depuis une année ou deux. Alors ça va continuer. Et, pardon? L'école Vision, c'est-tu réglé, ça? OK, l'école Vision est là. Et avec Sœur Dionne, qui m'a informé de la décision qu'elle allait prendre, je lui ai garanti que la Ville travaillerait main dans la main avec les Ursulines dans les prochaines années pour s'assurer que l'utilisation des lieux est bien avec l'esprit du lieu. Alors, c'est exactement ce qu'on va faire avec les Ursulines. Il faut comprendre aussi que les Ursulines, ce qui se passe, c'est comme bien des congrégations. C'est comme avec les sœurs de Saint-Cœur-de-Marie à Beauport. Ils vieillissent et honnêtement, ils ont besoin de services, entre guillemets, hospitaliers. Et c'est pour ça qu'ils vont s'établir dans une espèce de CHSLD. CHSL dans le gars. Un genre d'établissement comme ça. Et c'est normal parce que les sœurs vieillissent. Et donc, nous, on sera là avec elles, comme on a été avec les Augustines d'en haut pour tout le développement et la transformation des lieux qui a donné cet hôtel tellement merveilleux qui a été cité par National Geographic en Amérique. Et on travaille aussi avec les Augustines d'en bas pour s'assurer que, pour voir si on peut aider dans l'utilisation éventuelle de l'hôpital général dans Saint-Sauveur qui appartient aux Augustines. Alors voilà, on ne les lâchera pas, c'est trop important pour nous au point de vue patrimonial. Merci. J'invite maintenant Stéphane Côté à venir prendre la parole. Donc, M. Côté s'est absenté. On va passer à M. Bernard Rioux. Alors, bonsoir, Madame la Présidente. La question s'adresse à M. le maire. Il porte aussi sur le port. J'ai bien aimé sa déclaration, comme quoi il ne voulait pas que ce soit un port pétrolier, mais lorsqu'on regarde le projet, on sait qu'il y a la construction de 7 réservoirs de vrac liquide. Ce vrac liquide-là, ce n'est pas de la limonade, effectivement, et c'est dans le projet du port. Alors, je pense que c'est important de voir qu'il y a cette possibilité-là, surtout si on revient sur les déclarations qui ont été faites antérieurement par
par Mario Girard le 11 octobre 2014 au Soleil ou dans Le Devoir le 18 avril 2015. Alors, quand le problème qu'on a, c'est que, étant donné que c'est un territoire fédéral, l'évaluation s'est faite dans le cadre du territoire fédéral. Et là, ce que nous, on a posé, l'ensemble des mouvements environnementalistes, que ce soit Équitaire, Nature-Québec, Topoléoduc, le Gérard, on a dit, mais il faudrait une évaluation sur les impacts sur les quartiers centraux. Parce que là et nous, quand on intervenait, nous avons toujours dit, ah, c'est en dehors de notre juridiction. Donc, il n'y a pas une évaluation qui est faite de façon indépendante sur les quartiers centraux. Est-ce que le maire serait prêt à soutenir une telle démarche? Merci, M. le maire. Si vous me permettez de vérifier toutes les informations que vous nous amenez là ce soir, on vérifiera, mais je vais dire, Mme Vairot va pouvoir répondre mieux que moi à votre question, monsieur. Merci, Mme la Présidente. On sait très bien qu'à l'heure actuelle, l'Agence canadienne d'évaluation environnementale est revenue avec des questions au port suite au dépôt là, de l'étude de tous les mémoires. Et il y a plusieurs questions parce que plusieurs mémoires qui ont été déposées par tous les groupes, comme le spécifiait M. Rioux, ont parlé beaucoup de l'impact sur justement les quartiers riverains, l'impact environnemental, ce dont dans l'étude d'impact du port qui n'était pas vraiment mise en valeur. Alors, suite aux audiences publiques, bon, les questions ont été posées et maintenant l'Agence d'évaluation environnementale est revenue la semaine dernière ou il y a deux semaines avec une série de questions. Il y a beaucoup de questions. Ça, en tout cas, le rapport, c'est tout près de 280 pages à laquelle le port devra répondre plus spécifiquement à plusieurs questions. Et je crois que je ne l'ai pas lu d'un couvert à l'autre, mais les grandes lignes, on parle beaucoup d'impact sur les environs et aussi, qu'est-ce qui va aussi vrai que des réservoirs de prévus. Alors, il y a beaucoup de questions qui vont être répondues. Je pense que ce serait bien d'attendre le retour du port avec les questions. Puis, il va y avoir une autre séance de consultation publique. Pardon? Oui, la Ville aussi, lorsque à la deuxième phase de consultation, là, suite au retour de l'agence et du port, il va y avoir une deuxième phase et nous aussi, on va aller se prévaloir de ce droit-là là, d'aller exprimer notre opinion. Merci. Merci. J'invite maintenant Sébastien Bouchard à venir prendre la parole. Bonjour, Madame la Présidente. Donc, mon nom est Sébastien Bouchard, je suis un citoyen engagé là, de la région de Québec. Pardon? À monsieur le maire, d'ailleurs, on s'est croisé à la vigile qui a suivi là, les tristes attentats là, de la mosquée. J'étais dans le comité organisateur là, qui avait pu organiser cette journée de solidarité importante. D'ailleurs, monsieur le maire, vous aviez parlé des vendeurs de haine qui encore font leur pain et leur beurre avec entre autres, le racisme dans la ville de Québec. Donc, il y a un suivi à faire là, autant au niveau communautaire que politique à ce sujet. Je suis impliqué dans Limoilou et j'étais venu ici il y a 2 ans poser une question sur la question du train. À cause que, bien sûr, avec ce qui s'est passé au lac Mégantic, plusieurs familles dans Limoilou sommes inquiétées du train rempli de pétrole qui passe à côté de nos écoles. Et j'ai pu, avec Mme Hamelin et Mme Vairot, il y a eu une belle collaboration de la Ville avec les services de sécurité, donc pour organiser les plans d'urgence autour là, des enjeux autour du train. Et d'ailleurs, on se rappellera, il y a quelques années, qu'il y a eu déjà un déraillement de train en tout du Frémont-Morency. Alors, c'est quelque chose qui est possible. Et j'ai participé aux audiences autour du port de Québec et les informations qu'on a, c'est que c'est du vrac pétrolier. Alors, du vrac liquide. Alors, le vrac liquide, c'est pas de la limonade, c'est pas de l'huile d'olive, c'est du vrac liquide, c'est du pétrolier. Alors, on est très heureux, en tout cas, moi, je suis très heureux de vous entendre dire ça, parce qu'il y a potentiellement un impact sur les trains aussi, qui vont voyager près de nos écoles. Alors, je déduis de ce que vous dites que vous êtes en opposition au projet Beauport 2020 si c'est du pétrole. C'est bien ce que je déduis de la position là, de la Ville. Et si c'est ça, ben, j'en serais très heureux. Je pourrais en parler à toutes les familles qui vivent près du train dans la Ville de Québec. Merci, M. Bouchard. Monsieur le maire? Je reconnais une très grande habileté, M. Bouchard, pour des questions. Merci encore pour ce que vous avez fait pour la vigile le lendemain du 29 janvier. Voici, non, je suis pour 2020. Je ne veux pas, je trahirai pas personne ici ce soir. Deux choses. Je suis pour
le projet du port, mais ma conviction, c'est que, idéalement, et je travaille en ce sens-là, c'est qu'il n'y ait pas de transbordement de combustible possible. Alors, je travaille pour ça. Deuxième affaire, pour votre question, puis je me souviens très bien lorsque vous êtes venu, à ce moment-là, comme président de la CMQ, j'avais demandé un rapport sur le transport des produits dangereux à la ville. Et on a rendu ce rapport-là public. Malheureusement, le problème qu'on a, et là, je suis intervenu auprès du gouvernement du Québec, les deux ministères de transport fédéraux et provinciaux, fédéral ou provincial, en leur disant ceci: comment peut-on évaluer le danger potentiel du transfert, du transport, par exemple, de combustible fossile ou de tout autre produit chimique, si on n'a pas l'information? Et entre autres, au ministre des Transports du Québec, j'avais dit ceci: l'information minimale pour faire une étude, l'étude qu'on a faite, était vieille, je pense, de 7 ans. Donc, j'espère ne pas trop me tromper, mais ça ressemblait à ça. Alors, les chercheurs qu'on a embauchés travaillaient sur des estimations. Mais des estimations, ça ne va pas loin pour corriger un problème potentiel. Alors, on a tenté de trouver les meilleurs chercheurs au Québec. Je pense qu'on les a trouvés. Ils ont fait le meilleur travail et le rapport est public sur le site de CMQ. Mais j'en conclus qu'il est quasiment impossible actuellement, en tout état de cause, de savoir ce qui se passe. Tout d'abord, il n'oblige pas les entreprises à divulguer ce que contiennent les wagons. Et en passant, ça incluait le camionnage dans l'étude. Alors, il n'y a aucune obligation. Comment voulez-vous? Heureusement, nous, c'est la Ville de Québec, on est équipés pour faire face à des situations d'exception, on appelle ça comme ça ici. Mais Batiscan, par exemple, là où on est allé aider lors des inondations, s'il arrivait quelque chose, ils ne sont pas bien équipés. À la Fédération canadienne des municipalités, Mme Doyle travaille très fort sur ce dossier-là. On est en opposition avec les compagnies de chemin de fer. À la FQM, à l'Union des... L'UMQ. La misère à ce moment, vous dites, début de la semaine est tough. Alors, l'UMQ, c'est la même affaire. On est en opposition avec les compagnies de chemin de fer en leur disant, vous ne nous donnez pas l'information. C'est bien beau de donner des subventions pour des petits parties dans les villes, là, mais ça ne nous donne pas, pour faire oublier que vous ne donnez pas l'information, on n'a pas l'information. Et le problème là-dedans, c'est qu'on ne peut pas les obliger. C'est une autorité provinciale et ou fédérale. Alors, notre problème, là, on est bloqué. Je l'ai dit en conférence de presse, on est bloqué. Alors, idéologiquement, par conviction, je souhaite que le port de Québec, ou pas le Québec, il n'y ait pas de transbordement. Et je travaille en ce sens-là pour développer une autre industrie pour le port. Ceci dit, pour le transport des matières dangereuses, j'ai un problème. D'ailleurs, en passant, visiblement, on ne m'a pas répondu parce que, là, laissez-moi chercher un petit peu, là, parce que ça fait quand même un moment qu'on a rendu ça public. Mais on n'est pas équipé actuellement pour prévenir. Je ne veux pas créer de panique, mais il en demeure pas moins que c'est la vérité. Je ne veux pas rien créer, je veux pas créer de peur, mais c'est ça la situation. C'est qu'on n'a pas d'informations, puis on n'oblige pas, les gouvernements n'obligent pas les entreprises à donner suffisamment d'informations. Et je comprends que pour des raisons commerciales, hein, des compétitions commerciales, les entreprises ne veulent pas toutes donner leur information. Je peux comprendre ça, mais entre ça et un minimum de prévention, il doit y avoir moyen de trouver un terrain d'entente, je vous dirais. Alors là, moi, je suis un petit peu démuni, pas un petit peu, je suis très démuni au moment où on se parle. À la CMQ, on était le plus loin qu'on pouvait aller. Alors là, on a interpellé le gouvernement supérieur parce que c'est vraiment là que ça se passe. Alors, je suis un peu désolé des réponses que je vous donne, mais je vous dis totalement la vérité, puisque je vous dis, c'est documenté. Puis là, on est rendu là, je vais juste vérifier. Je ne pense pas qu'on a eu de réponse bien, bien concrète des gouvernements parce que je le saurais. Et on a l'impression que les gouvernements veulent éviter les questions, veulent éviter les problèmes. C'est mon sentiment très sincère. On n'a pas le goût d'en discuter. Si vous voulez, je vous dis ce que j'en pense du fond de mon cœur, ils n'ont pas le goût d'en discuter. Merci. J'invite maintenant Nathalie Roy à venir prendre la parole. Madame la Présidente, ma question concerne encore une fois le développement du port et elle s'adresse à Madame Lemieux. Alors, je suis ravie quand même ce soir de constater comment la Ville continue de se préoccuper de l'embellissement
On en entend beaucoup parler à plusieurs reprises. On a entendu parler de développement durable et d'embellissement. On veut que ce soit beau à Québec. Alors, j'ai pris un instant pour regarder le site de la ville. Puisque Québec a quand même été nommé ville du patrimoine mondial par l'UNESCO, et sur le site, on souligne quand même ceci, donc je cite, « Figurer sur la liste des villes du patrimoine mondial de l'UNESCO apporte bien sûr notoriété et prestige. C'est en contrepartie reconnaître sa responsabilité envers la communauté et tout mettre en œuvre pour assurer la sauvegarde des lieux. » Alors, moi, je m'inquiète un petit peu que l'industrialisation du port qui vient se superposer au quartier historique abîme cette qualité de la ville de Québec. Il faut le dire, les paysages sont magnifiques, qu'on soit sur la terrasse Montmorency, la baie de Beauport, on a des points de vue tout à fait uniques. Et c'est pas pour rien, donc, qu'on a été nommé ville du patrimoine mondial. Alors, comme c'est l'histoire de notre ville qui a fait qu'on est devenu une ville unique et qu'on a été nommé par l'UNESCO et que l'histoire se construit aussi au présent, alors je me dis, si ma question pourrait se formuler à peu près comme ça, là, si l'histoire a fait de Québec une ville reconnue par l'UNESCO, comment pouvez-vous nous conduire avec un projet qui menace nos paysages naturels, culturels et patrimoniaux vers une situation où on maintient ce titre-là et on conserve les beautés de la ville et ses panoramas uniques? Merci. Oui, si vous voulez, merci. On va vous répondre. D'excellentes questions et... Je ne sais pas si vous avez déjà voyagé en Europe, madame, et visité des villes portuaires. Plusieurs. Moi, je l'ai fait. Je vais vous en parler. Premièrement, Québec, à l'origine, c'est une ville portuaire. L'histoire fait que Québec, c'est une ville portuaire, comme c'est une ville de garnison. Aujourd'hui, elle est patrimoniale parce qu'elle a conservé son patrimoine. Mais à l'origine, c'est une ville portuaire. La preuve, c'est qu'elle est établie sur le bord du fleuve, pas pour rien. La cohabitation entre des ports et des villes historiques, patrimoniales, en Europe, il y en a plein. D'ailleurs, il y a même une association des villes portuaires où les membres, d'ailleurs, je pense qu'on est devenus membres, si je ne me trompe pas. On est membres maintenant, oui, c'est ça. On a payé, on est membres. On est membres. Et le truc là-dedans, c'est de faire en sorte comment s'échanger les façons de faire sur la cohabitation entre le patrimoine et le port. Ça existe en Europe. Moi, je vais vous dire la ville la plus extraordinaire que je... D'ailleurs, je suis en train de lire là-dessus, l'histoire de l'amour de Saint-Pétersbourg. Si vous visitez Saint-Pétersbourg, qui est une ville extraordinaire, elle a un port, un immense port. Un immense port. Puis quand vous parlez d'un port industriel, ça, c'est un port industriel. Notre petit port ici, c'est rien, là. C'est gros comme ça à côté du port de Saint-Pétersbourg. Puis je pourrais vous donner beaucoup d'autres noms de villes. Mais je prends Saint-Pétersbourg parce que je trouve que c'est très symptomatique. Parce que je connais personne qui n'aime pas Saint-Pétersbourg, puis et le patrimoine est extraordinaire. Et c'est faisable, tout ça. Et le problème, c'est que le port il est arrivé avant que le patrimoine, parce que le port existait, puis ensuite la ville est arrivée, bien la ville est devenue patrimoniale avec le temps. Le patrimoine, ça existe parce que les années imposent le patrimoine. C'est comme ça que ça marche. C'est ça, le cheminement de l'histoire. Alors, le port, il existe depuis la journée 1, ici. Et l'agrandissement du port, moi, j'en suis convaincu, n'altérera en rien la valeur du patrimoine de la Ville de Québec. Si c'était le cas, on s'opposerait. Alors, la cohabitation entre le patrimoine et les ports dans le monde, puis il faut aller en Europe pour l'avoir. On ne verra pas bien ça aux États-Unis, Savannah, puis tout ça, tu sais, mais bon. Quoique ça existe aussi un peu, il faut voyager en Europe, il faut aller voir les ports en Europe, il faut voir comment le patrimoine cohabite avec les ports. C'est juste que les deux partenaires se respectent, prennent les bonnes décisions. Et non seulement ça se peut, mais ça existe vraiment beaucoup en Europe. Alors moi, de ce point de vue-là, ça ne m'inquiète pas. Bon, évidemment, on souhaite que... Moi, si vous me dites, est-ce que j'aimerais que ma ville n'ait aucune industrie, dans l'absolu peut-être, là,
Mais ça ne marche pas de même dans la vie. Il y a du monde qui vit là, de ça. Il y a des salaires qui se payent. Il y a des familles qui gagnent leur vie là. Puis il faut un port, tu sais, dans une ville, là, une ville prospère, bien, puis en passant, si vous voulez mon opinion, j'aime bien mieux que ça voyage par bateau que par train. Si vous me demandez mon opinion, moi, honnêtement, je préfère par bateau. Je trouve ça moins dangereux. Alors, puis en termes de développement durable, on n'en parle même pas. Plus il y a de bateaux, mieux c'est. Alors, moi, c'est mon opinion. Je pense que c'est très faisable. Il ne faut pas diaboliser inutilement. Il faut juste tenter de trouver des solutions. C'est ça que je fais actuellement. Merci. J'invite maintenant Yann Lafleur à venir prendre la parole. Bonsoir, monsieur. Merci de m'accueillir. Je m'appelle Yann Lafleur. Yann Lafleur. Ouais. Et puis, ma question s'adresse à M. le maire. Et ma question, le contexte, c'est que, bon, c'est sur le cannabis. Le cannabis est déjà médical, est déjà légalisé, médical. Puis là, ça va être récréationnel. Récréationnel. Puis on le sait que ça va venir, ça s'en vient. C'est comme on sait qu'on va se marier, là. Alors, qu'est-ce que la Ville de Québec fait pour, disons, optimiser l'expérience du cannabis sur son territoire? Parce qu'il n'y a pas juste... C'est sûr qu'à la base, on veut faire en sorte que les enfants ne puissent pas y avoir accès. Mais à part de ça, il y a tout... C'est une industrie. Optimiser l'expérience. Hein, parce que, tu sais, comme c'est une expérience, par exemple, si on va au Danemark... dans la petite ville de Christiana. C'est une petite 1 km² qui est légalisé depuis les années 70. Par exemple, Amsterdam. C'est quelque chose qui est fait depuis très longtemps là-bas. Alors ici, est-ce qu'on envisage un genre de se positionner d'une certaine façon par rapport à ça? Est-ce qu'on... On pense devenir des leaders sur la question ou est-ce qu'on fait juste comme attendre que ça se passe puis voir comme... Merci, M. Lafleur. On va vous répondre. Vous allez vous asseoir. Merci. Merci. Je ne l'attendais pas, celle-là. Je ne l'attendais pas. Optimiser l'expérience. Je ne sais pas trop par quel bout prendre ça. Il faut que je pense. Il y a des journalistes en haut qui rigolent et qui attendent de voir ce que je vais dire. Hein? Vous êtes réveillés en haut tout d'un coup. Hein? Bon, voici. Moi, ma préoccupation actuellement concernant la nouvelle loi sur le cannabis, je vais faire ça bien terre à terre. Ce n'est pas trop optimiser l'expérience. Je ne suis pas rendu là encore. Le gouvernement canadien a décidé qu'il légalisait, puis le premier ministre a été élu là-dessus. Fair. Le premier ministre Couillard a dit l'autre jour qu'il était déçu parce que, dans le fond, le fédéral crée une loi, vote une loi, puis il n'informe pas les provinces, puis il dit les provinces vont commencer les problèmes. Moi, j'ai une autre opinion. C'est que les provinces, ça va être... Les provinces... Les problèmes... J'ai de la misère à ce moment-là. Les problèmes, ça va être des villes. Et je vais essayer de contourner votre question, monsieur, parce qu'il y a trop de gens qui sont éveillés à sa tribune en haut. Le problème, c'est que ça va être les policiers de Québec. Ça va coûter plus cher. Parce que ma peur, à moi, et je l'ai exprimé à mes collègues de l'UMQ, puis Mme Deuil l'a fait à la FCM, parce qu'on commence à se préoccuper du cannabis. On n'en fume pas autour de la table, mais on en parle. Hein? Je ne peux pas garantir pour la FCM, mais pour l'UMQ, je peux le garantir, j'étais là. Et je vais vous donner 2-3 exemples. Premièrement, on a peur que les règles ne soient pas claires. J'ai-tu raison de penser que les règles, la loi ne sera pas claire, qu'elle portera à interprétation? Si elle porte à interprétation, qui est pogné avec l'interprétation au premier chef? Les villes. Deuxième affaire, là je vais vous faire rigoler, mais ça existe. Dans le zonage, si mon voisin, parlons pas de mon voisin, on va parler de quelqu'un d'autre. Parlons de n'importe qui, admettons, à Neuchâtel. Bon. Le Bourgneuf. C'est mon voisin, ça? C'est ton voisin. Voisin de M. Jonathan Julien, s'il décide que lui, maintenant que c'est légalisé, pour ses besoins personnels, il décide d'en faire pousser chez lui. En avant, puis en arrière.
Puis il décide aussi que, dans le fond, il y a un ami qui a une terre pas loin, puis il décide d'en faire pousser sa terre. C'est parce qu'on a un problème de zonage, là. Parfois, ajuster nos règles de zonage. Oui, messieurs, dames, là. Wake up! Il va falloir qu'on règle nos problèmes de zonage pour avoir le droit de laisser pousser du cannabis quelque part. Riez pas, M. Michel, ça va arriver, vous, là. C'est ça qui t'amène. Puis là, je vous vois quasiment que vous avez le goût, vous, là, hein? Je fais des blagues. Dans votre ruelle, là. Vous savez, vous êtes possédé de ruelle, vous, là. Elle va venir verte, c'est ça? Alors, ce qu'on voulait vous dire, c'est que les ruelles vertes dans Limoilou, c'est ça. C'est ça qu'on va faire. Madame Véro voulait attendre la campagne électorale, mais je dévoile tout. Les ruelles vertes, c'est pour le cannabis. Donc, je fais des blagues. Alors, ce que je vais vous dire, c'est que c'est compliqué, puis on est inquiet du fait que les règles ne seront pas claires et que c'est nous autres qui devrons les interpréter. Puis ça va coûter cher. Parlant de coûter cher, on a l'impression que ça va être taxé, cette affaire-là. Pensez-vous que le gouvernement du Québec et le gouvernement canadien va passer par-dessus une petite chance de taxer le cannabis? Moi, je pense pas. Hein? TVQ, TPS. Alors, moi, j'ai dit à mes collègues maires, écoute bien, là, c'est nous autres qui avons un problème. On peut-tu avoir un petit bout de ces taxes-là? Non, mais de toute façon, c'est un fait, là, ça s'en vient. C'est aussi bien de se préparer. Alors, on est en train de réfléchir si on ne pouvait pas, avoir une petite part des taxes là pour commencer à régler nos problèmes. Maintenant, pour ce qui est d'optimiser l'expérience, je n'y ai pas pensé encore. Laissez-moi y réfléchir. Nos prochains conseils, merci d'avoir une réponse, OK? Merci beaucoup. J'invite maintenant M. Antonio Bramante. Vous m'excuserez pour la prononciation? Ah, bon. Merci. On touche encore le même sujet, M. le maire, alors, toujours du cannabis. Juste comme ça, vous sachez, vous pouvez aussi l'utiliser comme une bombe pour les douleurs ou même le manger. Vous ne devez pas le fumer. You know. Oh oui, une bombe, c'est très, très, très... Médicalement, ça existe depuis longtemps. C'est utilisé depuis 5000 ans, plus que 5000 ans comme médicament autour du monde. You know. Mais moi, je suis venu ici pour toucher un peu le même sujet, parce que c'est un sujet qui touche la santé publique, la sécurité publique. Et la décriminalisation, le cannabis récréationnel va être légal le 1er juillet de l'année prochaine. Oui, oui. Alors, c'est pour ça que je suis ici ce soir, parce que je représente certains groupes de producteurs licenciés par Santé Canada et des cliniques médicales cannabis dans un réseau de cannabis médical à ce point-là. Et on voit que ça s'en vient très vite, le récréationnel. Et moi, je pense que oui, ça pourrait être quelque chose de très rentable pour une ville, mais avec grande responsabilité. Alors, ma suggestion, c'était de peut-être commencer à créer des séances spéciales, avec peut-être un conseil spécial dès maintenant, qu'on pourrait peut-être avoir à chaque mois, pour avoir l'opinion du public aussi, you know? Mettre un peu de direction dans cet projet d'expérience. Est-ce que vous êtes prête de peut-être créer des nouvelles séances juste pour ça? Parce que c'est un très grand sujet. C'est très grand dans beaucoup de façons. You know? Alors, est-ce que vous êtes peut-être prête à faire ça? Merci, monsieur. Vous pouvez vous asseoir, on va vous répondre. Peut-être pas à toi et moi, là, par exemple, mais j'ai... Le pire, c'est qu'il y a un peu raison, ce monsieur-là. Là. Non, mais il y a un peu raison. Quand ça va débarquer, cette loi-là, là, moi, je vous annonce que ça va être compliqué. Puis comme j'ai intimement la conviction, je voudrais tellement ne pas avoir raison que les règles ne seront pas claires, on va être obligé de s'entricoter des règles entre nous autres ici, là. Puis ça va être compliqué. Des règles de sécurité, toutes nos lois sur la sécurité publique, l'aménagement, le zonage, parce que si tout le monde se met en planter chez eux, là, ben ça... Ben oui, madame, c'est... C'est ça quand même, ça va arriver. Tu sais, si des sœurs de charité décident que ça, on change de projet, là, on va avoir un maudit problème. Alors, effectivement, regardez, je dis pas qu'on va en faire à toi et moi, mais il va falloir certains coups au problème, mais c'est ça ma peur. Ça va être nous autres qui va tomber avec le problème. C'est nous autres dans le quotidien qui va vivre avec ça. Tout le monde va être heureux parce qu'ils vont remplir leurs promesses électorales, mais je trouve qu'on sent pas qu'ils vont nous donner beaucoup de moyens, mais on sent juste que... Puis, et là...
nos associations professionnelles, nos associations de maires sont en train de faire le tour du problème. Puis il m'a dit, ils n'ont pas encore fait le tour parce qu'il y en a pas mal. Alors là, il faudra quasiment qu'on paye un petit voyage à Denver, Colorado. Hein? Oh. Ah, you'll go? OK. Ben, on va aller voir comment ça se passe. Puis, visiblement, ça a l'air payant. Ils ont des taxes municipales. Nous autres, c'est ça le problème. On ne peut jamais avoir de taxes. Alors, mais il va falloir faire face au problème. Alors, peut-être pas au rythme où vous voulez, où je sais que vous avez l'air un peu pressé, mais moi, je vais juste la sentir avant un peu, là. La sentir... On va optimiser l'expérience. Merci beaucoup. Monsieur, moi, là, en haut, je vous en prie, là, je ne fumerai pas en public ici. J'invite maintenant M. Rénal de Grenier à venir prendre la parole. Bonsoir, M. Grenier. Bonsoir, Mme la Présidente. Je voudrais, avec votre permission, poser une question en trois sections à M. le directeur général. Il a déjà eu des documents qui lui expliquent la situation, donc je vais vous la résumer. Allez-y rapidement, M. Grenier. Habituellement, c'est une question. On a déjà dépassé le temps alloué à la période de questions des citoyens, donc je vous demanderai, là, si vous adressez vos trois questions, de faire ça assez rapidement. Allez-y. En préliminaire, je vous rappellerai que M. Dion, le 1er mai, a affirmé qu'un réseau d'égouts sanitaires ne servirait qu'à quelques maisons. Or, la vérité est que le boulevard Belcartier est la voie publique pour 177 propriétaires de résidences à Neuchâtel-Nord. Lors de la deuxième période de questions, M. le maire a renchéri en disant « ça n'existe pas », en parlant des documents prouvant les engagements de la Ville de Québec envers Neuchâtel-Nord. Des questionnements très sérieux de transparence, de moralité et de légalité se posent dans l'application du règlement RVQ 1855. Ma question en trois sections. Ce règlement de fusion a-t-il été annulé et la fusion avec? La Ville de Québec peut-elle annuler ou faire annuler une partie de son contrat ayant trait à ses obligations, à sa dette, et décider unilatéralement de garder le territoire et ses revenus? La Ville de Québec est-elle moralement et légalement autorisée à ne pas payer son hypothèque et garder quand même son acquisition? Si RVQ 1855 a été annulé, qu'en est-il de la fusion? Annulé? Merci, M. Grenier. Merci. Vous pouvez vous asseoir, on va vous répondre. M. Legault, directeur général de la Ville. Je crois que vous avez été répondu il y a deux séances. En fait, nos analyses démontrent qu'effectivement, il n'y a pas eu d'élargissement tel qui était conditionnel dans la fameuse entente de vente. Donc, si on regarde la documentation, l'ingénierie et nos gens l'ont regardé et l'élargissement n'a jamais été complété. Donc, c'était la condition pour étendre le réseau à cette partie du boulevard. Donc, c'est la réponse qu'on peut vous donner. Merci bien. Ceci met fin à la première période d'intervention des citoyens. Il y en aura une seconde un peu plus tard à l'ordre du jour. Nous en sommes maintenant au point 9, avis de proposition. Est-ce que des membres du Conseil ont de nouveaux avis de proposition à déposer? Non? Donc, point 10, proposition sans préavis. Monsieur Normand? Vous aviez un avis de proposition. Nous en sommes maintenant au point 10. Donc, M. Normand, si vous êtes d'accord, on va revenir au point 9 afin que Mme Guérette puisse faire son avis de proposition. Alors, merci, Mme la Présidente. Attendu que la protection des milieux naturels et de la forêt urbaine est au cœur des préoccupations actuelles de plusieurs citoyens, et relève de la responsabilité de tous les élus de la Ville de Québec. Attendu que depuis 2010, plusieurs groupes de citoyens partout sur le territoire se sont mobilisés pour manifester leur inquiétude face à des projets de construction résidentielle
qui allait à l'encontre du principe de développement durable et du respect de l'environnement et du cadre bâti existant. Attendu que grâce à la vigilance des citoyens, certaines erreurs irréversibles ont pu être évitées, notamment la destruction du boisé et des marais des Sœurs du Bon Pasteur au nord de Charlebourg, prévue dans le cadre du défunt projet Nodello. Attendu que le 31 mars 2007, un regroupement de citoyens nommé Protégeons la forêt à Charlebourg a émis un communiqué demandant un moratoire pour toute nouvelle construction en milieu boisé. Attendu que, dans la vision de l'arbre de la Ville de Québec, l'administration affirme devoir tenir compte des arbres dans la planification et la conception de tout projet et s'engage à mettre en œuvre des mesures pour assurer une meilleure protection des arbres lors des chantiers de construction. Attendu que, dans le plan directeur des milieux naturels et de la forêt urbaine, la Ville reconnaît que la protection des arbres existants lors d'un lotissement constitue une problématique souvent décriée. En effet, la grande majorité des cas de lotissement en milieu boisé réalisés au cours des 10 dernières années ont fait l'objet d'un déboisement massif. Attendu que dans son analyse du premier projet de schéma d'aménagement et de développement de l'agglomération de Québec, le ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire avait émis un avis dans le sens de consolider le développement urbain à l'intérieur de tout périmètre et diriger en priorité l'extension de l'urbanisation dans les secteurs déjà pourvus d'équipements, d'infrastructures et de services de base, en préservant les boisés et les milieux fragiles. Attendu que l'agglomération dispose actuellement de près de 52 000 espaces à développer, toutes catégories de logements confondues. Ajouté au potentiel de développement dans les secteurs intégrés au périmètre d'urbanisation, soit environ 12 000 nouveaux espaces, pour un total de 64 000 espaces, le ratio offre-demande serait donc de 1,05, selon un avis gouvernemental. Attendu que malgré les recommandations du MAMO, la Ville de Québec prévoit tout de même agrandir son périmètre d'urbanisation et met ainsi en péril plusieurs boisés, dont certains faisant partie de la liste des milieux naturels d'intérêt de la Ville de Québec. Attendu que le lotissement à la périphérie de l'agglomération augmente le recours au transport en automobile et les coûts sociaux qui en découlent. Attendu que le déboisement de forêts urbaines constitue une perte de capital naturel estimée à 20 millions seulement à Charlebourg. Attendu que le lotissement des boisés périphériques augmente l'enrichissement de quelques promoteurs au détriment de la qualité de vie de nombreux citoyens. Il est proposé que la Ville de Québec adopte un moratoire sur toute nouvelle construction en milieu boisé ou en milieu humide, le temps de se doter d'une vision et des outils réglementaires nécessaires pour assurer un développement en harmonie avec la protection des milieux naturels sensibles. Merci. Merci. Donc, nous en sommes maintenant au point 10, proposition sans préavis. Monsieur Normand. Oui, merci, Madame la Présidente. Alors, je dépose un nouvel avis de proposition, appuyé en cela par ma collègue conseillère du district Sainte-Thérèse-de-Lisieux, Mme Marie-France Trudel, qui est également vice-présidente du réseau de transport de la capitale et présidente du comité de relations avec la clientèle du conseil d'administration du RTC. Attendu qu'hier, le 14 mai, le réseau de transport de la capitale s'est démarqué lors du congrès de l'Association canadienne de transport urbain qui se tenait dans le cadre du sommet mondial des transports publics à Montréal. Attendu que l'Association canadienne du transport urbain a remis au RTC le prix de leadership des entreprises 2017 dans la catégorie communication et marketing pour sa gamme d'outils web et mobiles nomades temps réel. Attendu que ce prix souligne l'élaboration et la mise en œuvre exceptionnelle d'initiatives par des réseaux de transport au Canada. Attendu que cette reconnaissance témoigne des efforts du RTC afin de rendre le service de transport en commun de plus en plus attrayant pour ses clients. Attendu que l'Association canadienne des transporteurs publics vient ainsi confirmer que le RTC est un leader parmi les sociétés de transport au pays quant à l'utilisation des nouvelles technologies au bénéfice de l'expérience client. Attendu que grâce à Nomad, les clients du RTC peuvent désormais connaître précisément l'heure de passage de leur autobus en temps réel ou en temps actuel, en vrai français, sur une panoplie d'outils dont, entre autres, un site web et un site mobile, une application mobile, des bornes d'information aux arrêts ainsi que des écrans tactiles et statiques. En conséquence, il est résolu que les membres du conseil municipal félicitent le travail des équipes du RTC
qui ont su compléter ce projet d'envergure l'automne dernier, ce, en avance sur l'échéancier. Merci, Madame la Présidente. Est-ce qu'il y a d'autres propositions sans préavis, Madame Jean? Merci, Madame la Présidente. J'aimerais soumettre une proposition appuyée par ma collègue Chantal Gilbert. Attendu que les supermarchés Métro Ferland, une entreprise familiale de Québec fondée en 1917 par Oscar Ferland, célèbre cette année son 100e anniversaire. Attendu que la passion pour la profession d'épicier s'est transmise depuis maintenant 4 générations, et ce, malgré l'évolution du métier et la modernisation des méthodes de travail. Attendu que le succès de cette entreprise familiale repose entre autres sur la force de chaque génération qui a réussi à s'adapter au marché, aux tendances et aux changements, sans jamais perdre de vue les valeurs véhiculées par leurs prédécesseurs. Attendu que l'entreprise familiale s'est affiliée à la bannière Métro en 1982 et qu'elle a ouvert une deuxième succursale en 2008. Attendu que 6 employés ont ouvert la première épicerie en 1917 et qu'aujourd'hui, près de 200 personnes assurent le bon fonctionnement des 2 épiceries de la famille Ferland. Attendu que les supermarchés Métro Ferland se démarquent de la compétition dans le marché de l'alimentation en allant devant des besoins des clients et ils sont avides de découvertes culinaires tout en leur offrant un service irréprochable et des produits de qualité. En conséquence, il est résolu que les membres du conseil municipal félicitent les membres de la famille Ferland ainsi que tous les employés des supermarchés Métro Ferland pour leur 100e anniversaire de l'entreprise ainsi que pour leur contribution au développement économique de la Ville de Québec. Merci beaucoup. D'autres propositions sans préavis? Donc, s'il n'y a pas d'autres propositions sans préavis, on passerait au point suivant. Point 11, rapport du comité exécutif, matière relevant de la compétence du Conseil de la Ville, comité exécutif du 3 mai 2017, culture, vie communautaire et relations internationales, CU 2017-047. Entente entre la Ville de Québec et l'Opinion bleue, la Maison pour grandir, relative au versement d'un soutien financier pour les années 2017, 2018 et 2019 pour la réalisation du projet d'aide alimentaire aux enfants fréquentant les camps de jour durant l'été. C'est proposé par Mme Gilbert, appuyée par Mme Jean. CU 2017-074. Nomination de M. Louis Beaupré à titre de représentant du maire de la Ville de Québec sur le conseil d'administration de l'Institut canadien de Québec. C'est proposé par Mme Lemieux, appuyée par M. Bussière. Développement économique et grands projets, DA 2017-077. Affectation au domaine privé de la Ville des lots 1 035 224 et 1 035 212 du cadastre du Québec et vente de ces lots dans l'arrondissement de Charlebourg. C'est proposé par M. Julien et c'est appuyé par Mme Doyle. Ingénierie, IN 2017-013. Approbation et autorisation de la signature de la convention de réseau de distribution avec option souterraine et de l'entente de contribution au coût des travaux transmis à la Ville de Québec par Hydro-Québec dans le cadre du projet d'aménagement de l'écoquartier d'Estimoville, prolongement de la rue des Moqueurs dans l'arrondissement de la cité Limoilou. C'est proposé par M. Julien et appuyé par Mme Véro. Ressources humaines, RH 2017-357. Désignation d'un membre au comité de retraite du régime de retraite du personnel professionnel de la Ville de Québec. C'est proposé par M. Julien, c'est appuyé par M. Normand. RH 2017-358. Alors, cette fois-ci, désignation d'une représentante au comité d'audit des régimes de retraite de la Ville de Québec. Proposé par M. Julien et appuyé par M. Normand. Aménagement et développement urbain, AD 2017-017. Prise d'acte de la vision du patrimoine 2027. C'est proposé par Mme Lemieux, appuyé par Mme Gilbert. Allez-y, Mme Lemieux. Peut-être juste, il y a eu un plénier quand même sur le sujet, mais j'aimerais vous dire qu'on est très fiers d'arriver avec une vision qui a fait consensus dans le milieu. Je pense que la réaction de tous les intervenants qui ont participé à l'élaboration de la vision a été positive. J'ai entendu d'excellents commentaires, donc on est très, très heureux des résultats. Une vision qui est issue vraiment de la base et donc, je voulais juste aussi en profiter pour remercier devant le conseil ici ce soir tous ceux qui ont travaillé, autant les intervenants sur le terrain que les employés de la Ville de Québec, entre autres à la division du patrimoine, les remercier sincèrement pour tout le travail qui a été fait dans ce dossier-là parce que ça fait quand même plus d'un an qu'on est là-dessus. Ça a demandé énormément de rencontres et puis de travail de fond. Donc, je les remercie sincèrement pour leur temps. Et puis, ben, maintenant, ben, on a une vision sur 10 ans qui va vraiment nous permettre de bien protéger notre patrimoine à la Ville de Québec. Merci. Merci beaucoup. AD 2017-018. Prise d'acte de la mise à jour de la hiérarchie patrimoniale des lieux de culte situés sur le territoire de la Ville de Québec. Proposé par Mme Lemieux et appuyé par M. Bussière. Approvisionnement. Oui, M. Chouary.
Oui, Madame la Présidente, j'ai regardé attentivement le dossier de mise à jour de la hiérarchie patrimoniale des lieux de culte. J'avais une question par rapport aux lieux de culte qui sont identifiés avec une valeur patrimoniale faible. Est-ce que ça veut dire qu'avec cette évaluation, la Ville va permettre ou autoriser ou prévoir la démolition et la réutilisation des terrains de ces lieux de culte si jamais les propriétaires veulent se délaisser des propriétés et comment ça va fonctionner? Merci. Madame Lemieux. Oui, en fait, de toute façon, les églises sont sous l'égide de la commission d'urbanisme. Donc, dès qu'il y aura un projet sur les églises qui ont des valeurs patrimoniales plus faibles, la commission devra se pencher sur ces projets-là. Donc, il n'y a pas de démolition automatique. Tout va dépendre du projet de remplacement aussi. Nous, ce qu'on a pris comme engagement, c'est de s'engager financièrement au maintien, à la restauration de nos 8 églises à valeur exceptionnelle qui sont énumérées dans le sommaire décisionnel. Pour les autres, on a pris entente avec le diocèse pour que, en fait, eux nous disent à l'avance lorsque ces églises-là de valeur moindre au plan patrimonial, lorsque les églises deviendront vacantes éventuellement, qu'on le sache à l'avance et qu'on se fasse un plan de match en amont pour ne pas arriver en crise à chaque fois pour savoir qu'est-ce qu'on fait avec ces églises-là à la dernière minute. Donc, le diocèse, présentement, est en train de travailler sur ce plan de match-là, mais en même temps, ça va leur appartenir. C'est vraiment ce qu'on a fait comme entente avec le diocèse, c'est que nous, on s'engage pour les 8 églises exceptionnelles. Le diocèse va s'occuper des autres, avec le milieu, avec le privé, avec d'autres partenaires éventuellement. Mais la Ville, financièrement, ne contribuera pas, ce qui ne veut pas dire qu'au plan technique, on ne peut pas les accompagner. Ce qu'on souhaite, en fait, c'est de pouvoir se faire des plans d'aménagement à l'avance aussi, là, selon les églises, là, pour qu'on puisse effectivement les reconvertir ou en tout cas s'organiser pour que les terrains soient bien développés. Mais encore là, qu'il y ait une vision d'ensemble, ce qu'on n'a pas fait jusqu'à maintenant sur le territoire de la Ville. Donc, c'est ce qu'on a comme entente avec le diocèse. Merci. Approvisionnement AP 2017-182. Entente entre la Ville de Québec et l'École de cirque de Québec relativement au versement d'une somme pour la création, la production et la diffusion de masses et cordages en 2017. C'est proposé par Mme Lemieux. C'est appuyé par Mme Béraud. AP 2017-208. Autorisation au Conseil des arrondissements de la Cité-Limoilou, des Rivières, de Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge, de Charlebourg, de Beauport et de la Haute-Saint-Charles, relatif à l'engagement de crédit pour l'adjudication d'un contrat pour la collecte et le transport des contenants transfouliers de la Ville de Québec. C'est proposé par M. Verrette et c'est appuyé par M. Julien. Développement économique et grands projets, DE 2017-061. Acceptation d'une offre d'achat présentée par Jourdain Équipement Incorporé à l'égard d'un immeuble portant sur une partie du lot 5 833 192, qui sera ultérieurement connu comme étant le lot 6 042 393 du cadastre du Québec, situé dans le parc industriel de Beauport, secteur nord, à des fins industrielles, para-industrielles ou de recherche dans l'arrondissement de Beauport. Proposé par M. Julien et appuyé par Mme Trudel, DE 2017-070. Alors, c'est encore une fois une acceptation d'une offre d'achat présentée par 93 55 64 39 Québec Inc. à l'égard d'un immeuble portant sur une partie du lot 5 833 192 qui sera ultérieurement connu comme étant le lot 6 052 995 du cadastre du Québec, situé dans le parc industriel de Beauport, secteur nord, toujours à des fins industrielles, para-industrielles ou de recherche. Proposé par M. Julien et appuyé par Mme Trudel, DE 2017-084. Acquisition à des fins municipales du lot 1 477 696 du cadastre du Québec situé dans l'arrondissement de la Cité-Limoilou. C'est proposé par Mme Gilbert, c'est appuyé par Mme Véraud. L'inverse. DE 2017-092. Établissement d'une servitude réelle et perpétuelle de non-construction et à des fins de conservation en faveur de la Ville contre le lot 5 952 706 du cadastre du Québec dans l'arrondissement de la Haute-Saint-Charles. Proposé par M. Julien et appuyé par M. Verrette. Finances, FN 2017-010. Approbation des virements et ajouts de crédits budgétaires pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2016 et prise d'acte de la liste finale des virements de crédits budgétaires entre les compétences d'agglomération et de proximité pour l'exercice financier 2016. Proposé par M. Julien, appuyé par M. Foyer.
FN 2017-015. Dépôt du premier état comparatif de la Ville de Québec pour l'exercice financier 2017 et approbation des virements et ajouts de crédits budgétaires pour la période du 1er janvier au 31 mars 2017. Proposé par M. Julien et appuyé par M. Voyer. Gestion des immeubles, GI 2017-003. Convention d'aide financière entre la Ville de Québec et le ministre de l'Éducation, du loisir et du sport relativement à l'octroi d'une aide financière dans le cadre du programme de soutien pour le remplacement ou la modification des systèmes de réfrigération fonctionnant au gaz R12 ou R22, Arena et Centre de curling relatif au projet de remplacement du système de réfrigération de l'Arena des deux glaces de Val-Bélair. Proposé par M. Julien, appuyé par M. Verrette, Ingénierie, IN 2017-014. Demande d'inscription au programme Embellir les voies publiques dans le cadre des travaux de réfection des rues Saint-Augustin et Sainte-Madeleine dans l'arrondissement de la Cité-Limoilou. Proposé par M. Julien et appuyé par Mme Véraud. IN 2017-015. Approbation et autorisation de la signature du formulaire de consentement de travaux sur commande transmis à la Ville de Québec par Bell Canada dans le cadre du projet de réaménagement de la côte de Sillery dans l'arrondissement Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge. C'est proposé par M. Julien et c'est appuyé par M. Normand. Loisirs et sports, LS 2017-024. Convention entre la Ville de Québec et soirée reconnaissance sportive relativement au versement d'une aide financière pour les années 2017, 2018 et 2019 pour l'organisation de la soirée du Gala de l'athlète. C'est proposé par M. Verrette et c'est appuyé par Mme Jean. Question, commentaire. C'est adopté. Comité exécutif du 12 mai 2017, Direction générale, DG 2017-025. Appropriation de 8 125 000 à même l'excédent de fonctionnement affecté dédié aux opérations de déneigement. Alors, c'est proposé par M. Jonathan Julien. C'est appuyé par M. Rémi Normand. Question, commentaire. C'est adopté. Finance FN 2017-023. Renflouement du surplus affecté pour les opérations de déneigement. C'est proposé par M. Julien et c'est appuyé par M. Normand. Question, commentaire, c'est adopté. FN 2017-024. Virement à la réserve financière favorisant la réalisation de grands événements et de projets spéciaux relevant de compétences de proximité de la Ville. Alors, c'est proposé par M. Julien, c'est appuyé par Mme Lemieux. Question, commentaire, c'est adopté. FN 2017-026. Création d'un surplus affecté pour le programme Rénovation Québec et virement de montant du surplus non affecté. Alors, c'est proposé par M. Julien, c'est appuyé par Mme Gilbert, n'est-ce pas? C'est ça. Merci. Greffe et archives, GA 2017-003. Nomination de M. Jacques Vallée à titre d'assistant greffier substitut. C'est proposé par M. Oui, par M. Julien, c'est appuyé par Mme Lemieux. Matière à soumettre au Conseil d'Aglo, comité exécutif du 3 mai 2017, approvisionnement AP 2017-195. Autorisation de soumettre au Conseil d'agglomération l'adjudication d'un contrat pour la fourniture de gants de travail. Ah, c'est proposé par M. le maire, c'est appuyé par M. Julien. Question, commentaire, c'est adopté. AP 2017-206. Autorisation de soumettre au Conseil d'agglomération le renouvellement du contrat de support et d'entretien des licences d'utilisation des produits Bentley. Alors, c'est proposé par M. le maire, c'est appuyé par M. Voyer. Question, commentaire, c'est adopté. AP 2017-207. Autorisation de soumettre au Conseil d'agglomération l'adjudication d'un contrat de service professionnel en gestion, coordination et aménagement, création d'une place éphémère à la Marina Saint-Roch en bordure de la rivière Saint-Charles dans l'arrondissement de la Cité-Limoilou. Alors, c'est proposé par M. le maire, c'est appuyé par Mme Julie Lemieux. Question, commentaire, c'est adopté. Développement économique et grands projets, DE 2017-082. Autorisation de soumettre au Conseil d'agglomération l'entente entre la Ville de Québec et Animation Squeeze Studio relativement au versement d'une subvention pour la mise en œuvre de son plan de croissance 2017 dans le cadre du programme de soutien pour le développement des entreprises technologiques dans le quartier Saint-Roch, la phase 1. C'est proposé par M. le maire, c'est appuyé par Mme Natacha Jean. Question, commentaire? C'est adopté. Ressources humaines RH 2017-133.
Autorisation de soumettre au Conseil d'agglomération l'adoption du règlement modifiant le règlement de l'agglomération sur le régime de retraite des fonctionnaires de la Ville de Québec dans le cadre du transfert des employés de la station de traitement des boues et du centre de récupération de Tiru Canada à la Ville de Québec, le RAVQ 1114. C'est proposé par M. le maire, c'est appuyé par M. Julien. Questions, commentaires? C'est adopté. RH 2017-134. Alors, c'est un règlement identique à celui précédemment présenté, mais cette fois-ci pour les employés manuels. Ce règlement-là sera le RAVQ 1115. Alors, c'est proposé par M. le maire, c'est appuyé par M. Julien. Questions, commentaires, c'est adopté. RH 2017-368. Autorisation de soumettre au Conseil d'agglomération l'adoption du règlement de l'agglomération sur le régime de retraite des employés du Centre de récupération de la Ville de Québec, le RAVQ 1110. Alors, c'est proposé par M. le maire, c'est appuyé par M. Julien. Questions, commentaires, c'est adopté. RH 2017-369. Autorisation de soumettre au Conseil d'agglomération l'adoption du règlement de l'agglomération sur le régime de retraite des employés de la station de traitement des boues de la Ville de Québec. Cette fois-ci, c'est le RAVQ 1111. Alors, c'est proposé par M. le maire, c'est appuyé par M. Julien. Questions, commentaires, c'est adopté. Comité exécutif du 10 mai 2017, approvisionnement AP 2017-217. Autorisation de soumettre au Conseil d'agglomération le renouvellement du contrat pour la maintenance et le soutien à l'utilisation du pôle logiciel de paye et des gestions des ressources humaines VIP pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2017. Alors, c'est proposé par M. le maire, c'est appuyé par M. Voyer. Oui, M. Voyer, vous avez un... Je m'excuse, est-ce que cet élément-là était encore dans le conseil d'arrondissement, dans l'aglo? C'était pas celui-là qui a été transféré? Celui-là est à l'aglo, okay. C'est le suivant qui va devenir seulement de compétence du conseil de la ville. Parfait, c'est ça, c'est celui-là que je voulais dire. Ça va, M. Foyer, merci. Alors, questions, commentaires, donc, pour le 217, ça va, c'est adopté. Alors, AP 2017-232. Alors, c'est celui-là, donc, que j'avais indiqué la modification à l'ordre du jour. Ce n'est pas une autorisation de soumettre, c'est le renouvellement du contrat pour la maintenance et le soutien à l'utilisation du pôle logiciel de paye et des services des ressources humaines VIP pour la ville de Lévis. Donc, c'est de compétence du conseil de ville, celui-là. D'accord. Alors, c'est proposé par M. Voyer, c'est appuyé par M. Julien. Question, commentaire? C'est adopté. AP 2017-237. Autorisation de soumettre au conseil d'agglomération la résiliation du contrat d'entretien sanitaire de divers bâtiments pour le lot 5 du 1er mai 2017 au 30 avril 2021. Alors, c'est proposé par M. le maire, c'est appuyé par M. Julien. Questions, commentaires? C'est adopté. Développement économique et grands projets, DE 2017-075. Autorisation de soumettre au Conseil d'agglomération la convention de prêt entre la Ville de Québec et Mira Pacon incorporée relativement à l'octroi d'un financement dans le cadre du Fonds local d'investissement pour réaliser le projet de démarrage de l'entreprise. Alors, c'est proposé par M. le maire, c'est appuyé par Mme Natacha Jean. Questions, commentaires, c'est adopté. DE 2017-087. Autorisation de soumettre au Conseil d'agglomération l'entente entre la Ville de Québec et LaserAx Incorporée relativement au versement d'une subvention pour la réalisation d'un projet dans le cadre du programme de vitrine technologique de la Ville de Québec. C'est proposé par M. le maire, c'est appuyé par Mme Natacha Jean. Questions, commentaires, c'est adopté. Finance, FN 2017-011. Autorisation de soumettre au Conseil d'agglomération l'approbation des virements et ajouts de crédits budgétaires de compétences d'agglomération pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2016 et la prise d'acte de la liste finale des virements de crédits budgétaires entre les compétences d'agglomération et de proximité pour l'exercice financier 2016. C'est proposé par M. le maire, c'est appuyé par M. Julien. Questions, commentaires? C'est adopté. FN 2017-014. Autorisation de soumettre au Conseil d'agglomération le dépôt du premier état comparatif de l'agglomération de Québec pour l'exercice financier 2017 et l'approbation des virements et ajouts de crédits budgétaires pour la période du 1er janvier au 31 mars 2017. C'est proposé par M. le maire, c'est appuyé par M. Julien. Questions, commentaires, c'est adopté. OMH 2017-002. Autorisation de soumettre au Conseil d'agglomération la prise d'acte et l'approbation des états financiers de l'Office municipal d'habitation de Québec pour l'exercice financier terminé le 31 décembre 2016. Alors, c'est proposé par M. le maire, c'est appuyé par Mme Chantal Gilbert. Questions, commentaires? C'est adopté. Merci.
Planification et coordination de l'aménagement du territoire et de l'environnement, PC 2017-067. Autorisation de soumettre au Conseil d'agglomération l'adoption du règlement modifiant le règlement pour assurer la paix, l'ordre et le bon gouvernement sur le site de la plage Jacques-Cartier relativement au camion-restaurant, le RAVQ 1128. C'est proposé par M. le maire et appuyé par Mme Lemieux. Traitement des eaux, TE 2017-003. Autorisation de soumettre au Conseil d'agglomération la convention entre la Ville de Québec et l'Université Laval relativement aux services nécessaires pour développer des outils de détermination de la vulnérabilité des sources d'eau potable de la Ville de Québec. Proposé par M. le maire et appuyé par M. Verrette. Comité exécutif du 12 mai 2017. Finances, FN 2017-022. Autorisation de soumettre au Conseil d'agglomération la contribution au déficit d'opération encouru par QMI Spectacle Incorporé pour l'exercice financier clos le 31 décembre 2016. Proposé par M. le maire et appuyé par M. Julien. Allez-y, M. le maire. Oui, j'aimerais déposer un document du vérificateur général qui a vu des chiffres ou travaillé avec ceux qui ont vu des chiffres. Merci. J'autorise le dépôt. Madame la Présidente, j'aimerais demander le vote sur ce dossier-là, s'il vous plaît. Certainement. Est-ce que tout le monde s'est exprimé du côté des indépendants avant que le vote ne soit demandé? Oui, bien, peut-être. Dans le dossier du Centre Vidéotron, la Ville a fait un bénéfice de 1,2 million cette année. Merci. Donc, quels sont ceux qui sont favorables au sommaire FN 2017-022? Merci. Quels sont ceux qui sont contre? Merci. FN 2017-025? Adoption d'un choix fiscal relativement à la mesure d'allègement pour la crise financière 2008 pour l'exercice financier se terminant le 31 décembre 2017 et appropriation du surplus non affecté relativement à ce choix fiscal. Autorisation de soumettre au Conseil d'agglomération l'adoption du choix fiscal pour l'exercice financier se terminant le 31 décembre 2017 et l'appropriation du surplus non affecté relativement à ce choix fiscal. C'est proposé par M. le maire et appuyé par M. Julien. Comité exécutif du 10 mai 2017, arrondissement de Charlebourg, culture, loisirs et vie communautaire, A4 LS 2017-033. Autorisation au Conseil de l'arrondissement de Charlebourg, l'engagement de crédit relatif à la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et l'Association de soccer de Charlebourg, relativement au versement de montants pour effectuer, diriger et superviser les opérations quant à la gestion des horaires du ligage et de l'entretien spécialisé des terrains de soccer de l'arrondissement de Charlebourg pour les années 2017 à 2020. Donc, c'est proposé par M. Proposé par Mme Doyle et appuyé par M. Dufresne. A4 LS 2017-037. Autorisation au Conseil de l'arrondissement de Charlebourg, engagement de crédit relatif à la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec, la Corporation de loisirs du secteur NDL et la Maison des jeunes, la Marginale, relativement à la réalisation du programme Liaison jeunesse pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018. Proposé par M. Voyer et appuyé par M. Dufresne. Arrondissement de la cité Limoilou, culture, loisirs et vie communautaire, A1 LS 2017-051. Autorisation au Conseil de l'arrondissement de la cité Limoilou, l'engagement de crédit relatif à la conclusion de la lettre d'entente entre la Ville de Québec et le Centre Monseigneur Marcoux relativement au versement d'une subvention pour la location d'un immeuble situé au 1885 du chemin de la Canardière pour la période du 1er janvier 2017 au 30 juin 2019. C'est proposé par Mme Gippert, appuyée par Mme Véraud. Arrondissement des Rivières, culture, loisirs et vie communautaire, A2 LS 2017-010. Autorisation au Conseil de l'arrondissement des Rivières pour l'engagement de crédit relatif à la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et Loisirs Le Bourgneuf relativement à la surveillance des bains libres et l'animation d'activités dans la piscine extérieure du quartier Le Bourgneuf pour la période du 1er juin 2017 au 30 septembre 2018. C'est proposé par M. Julien et c'est appuyé par Mme Tanguay. 12 avis de motion et projet de règlement, comité exécutif du 10 mai 2017, A5 LS 2017-009. Avis de motion relatif au règlement sur des travaux d'aménagement du parc de la Cimenterie Phase 2, situé dans l'arrondissement de Beauport et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, le RVQ 2530, ainsi que l'appropriation des fonds.
L'avis de motion sera lu par Mme Lemieux. Je donne avis qu'à une prochaine séance, il sera présenté un règlement ordonnant des travaux d'aménagement du parc de la cimenterie phase 2 situé dans l'arrondissement de Beauport, ainsi que l'octroi des contrats de services professionnels et techniques y afférents. Ce règlement prévoit une dépense de 425 400 $ pour les travaux et les services professionnels et techniques ainsi ordonnés et décrit un emprunt du même montant remboursable sur une période de 10 ans. Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les membres du Conseil ont reçu une copie du projet de règlement et je propose aussi l'appropriation. Parfait. Vous êtes appuyé par Mme Trudel. Point 13, adoption de règlement. AD 2017-015. Règlement sur l'application du chapitre 6.1 de la Loi sur le patrimoine culturel pour la Ville de Québec et modifiant le règlement sur l'autorisation à délivrer des constats d'infraction, le RVQ 25-18. C'est proposé par Mme Lemieux et appuyé par Mme Gilbert. CU 2017-072. Règlement sur la réalisation d'une partie de l'entente de développement culturel 2016-2017 entre la Ville et le ministre de la Culture et des Communications et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, le RVQ 25-42. Proposé par Mme Lemieux et appuyé par Mme Gilbert. AD 2017-013. Règlement modifiant le règlement sur le programme d'intervention et de restauration de bâtiments situés dans des secteurs à valeur patrimoniale relativement à de nouveaux bâtiments d'intérêt patrimonial admissibles, le RVQ 2543. C'est proposé par Mme Lemieux et appuyé par Mme Gilbert. Nous en sommes au point 14 de l'ordre du jour. Un seul citoyen inscrit sur ma feuille pour prendre la parole. Donc, j'invite M. Grenier à venir prendre la parole. Bonsoir, Mme la Présidente. Il est malheureux que M. le maire se soit esquivé juste comme je voulais lui poser une question, mais je vais l'adresser quand même peut-être à M. Legault, vu qu'il s'agit d'un team, le team La Baume Legault. Je pourrais lui transmettre la question. En réflexion préliminaire, je voudrais, Mme la Présidente, demander à tous les élus. Comment se fait-il que la Ville peut, en 15 jours, dire une chose et son contraire? Monsieur le maire a dit le 1er mai que le règlement RVQ qui touche RVQ 1855, que ça n'existait pas. Peut-être que ça n'existe plus parce que Monsieur le maire l'aurait fait abolir, mais on n'a pas eu de réponse à ce sujet-là. Monsieur Grenier, s'il vous plaît, je vous demanderai d'en arriver à votre question et je vous invite à procéder maintenant. Pour ma question, ça va être à Monsieur Legault, comme je vous ai mentionné. Oui, allez-y, s'il vous plaît. Bon, est-ce que RVQ 1855 existe? Bien, Monsieur Legault a dit oui, en disant que c'est l'élargissement qui n'aurait pas été complété. Je voudrais, Mme la Présidente, souligner à M. Legault que le règlement RVQ 1855 ne parle pas de complétion de l'élargissement du boulevard. Il dit « au fur et à mesure de l'élargissement du boulevard Valcartier ». En toute honnêteté, si la Ville est impartiale et puis qu'elle veut respecter ses contrats, s'il n'a pas trouvé les preuves, Monsieur, je voudrais que vous disiez à M. Legault bien, de répondre par écrit à ma plainte ou d'inviter les citoyens et puis, pour lui présenter des preuves écrites et verbales qu'il n'a vraisemblablement pas eues. Parfait, merci. Et je trouve que lui dire aussi que si c'est ça le service de recherche de la Ville de Québec, bien, c'est très pitoyable, Madame la Présidente. Merci, merci. Monsieur Legault, vous pouvez aller vous asseoir, Monsieur Grenier, on va vous répondre. Rapidement. Rapidement. Allez-y. Êtes-vous intéressé à voir les preuves de l'élargissement du boulevard Valcartier? Donc, c'est votre question. Merci. Monsieur Legault. Merci. Encore une fois, je dois vous dire que l'information que vous nous avez procurée, l'engagement que la Ville de Québec avait pris il y a bien, bien des années concernant le prolongement du réseau était conditionnel au respect de certains événements qui étaient effectivement
l'élargissement du boulevard. Et lorsque j'ai demandé tant à nos gens d'ingénierie qu'à nos gens des affaires juridiques de faire la recherche et de revérifier ce qui s'était fait en regard de l'engagement que la Ville de Québec avait pris lors de cette conclusion ou lors de cette entente, encore une fois, on m'a confirmé, tant du côté de l'ingénierie que du côté des affaires juridiques, que l'entente était respectée et qu'effectivement, on n'observait pas la condition qui déclenchait le fait d'étendre le réseau à l'ensemble des citoyens le long de cette section-là. Donc, on a bien fait le travail, on a pris le temps d'aller voir tant les affaires juridiques que l'ingénierie pour s'assurer du respect de cette entente-là qui avait été prise par la Ville de Québec, je ne me souviens pas en quelle année, là, mais il y a bien avant la fusion. Et dans les deux cas, tant les affaires juridiques que l'ingénierie m'ont confirmé qu'on était conforme à l'entente qui avait été signée entre la ville et l'autre ville. Donc, c'est ce que je peux vous répondre maintenant. Merci, M. Legault. Des citoyens présents dans la salle qui ne sont... Non, monsieur, c'est une question par... Non, je m'excuse, M. Grenier, c'est terminé pour vous ce soir. À la deuxième période d'intervention des citoyens, c'est une question que permet le règlement. Donc, maintenant, je m'adresse à ceux qui ne sont pas venus poser une question. Est-ce que vous souhaiteriez intervenir? Monsieur, je vous invite à vous présenter et à nous dire votre nom, s'il vous plaît. Oui, Denis Paulvin. Citoyen. À qui s'adressera votre question, s'il vous plaît? Moi, c'était M. le maire. Donc, M. le maire est absent. Posez votre question. Mais à qui? Un des qui? Membres du conseil du comité exécutif pourra certainement vous répondre. Allez-y. Madame Lemieux, moi, ma question concerne le prolongement du quai aux battures de Beauport. Moi, j'aimerais ça avoir la position de la Ville de Québec concernant ce projet. Parce que moi, je vois que ce projet va avoir des impacts considérables sur le fleuve Saint-Laurent. Et moi, j'aimerais ça justement que... Parce que moi, j'ai posé une question justement, il y a eu une des audiences publiques, et puis là, j'ai posé des questions concernant la plage des battures de Beauport. Mm-hmm. Et ils n'ont pas donné de réponse. Et votre question, clairement, vous, ce soir? Sur, justement, la plage des battures de Beauport. Oui. Moi, j'aimerais ça que, justement, la Ville nous explique un peu la position qu'ils ont par rapport à ce projet-là. Le projet 2020, c'est ça dont vous faites référence? Moi, c'est ça. Tout le projet d'ensemble, là. Oui, c'est un projet qui a été longuement abordé ce soir lors de la première période de questions des citoyens. Malheureusement, vous étiez absent. Je vous invite à la réécouter. Mais quand même, peut-être un élément de réponse pourrait vous être donné. Oui, c'est ça, qu'une personne me fasse une synthèse sur les principaux impacts de ce projet-là, mais concernant le fleuve. Je vous remercie. Vous pouvez aller vous asseoir, on va vous répondre. Mais aussi, peut-être un autre aspect aussi, c'est que moi, j'aimerais ça si la Ville a des projets pour dire oui à des projets comme les pistes cyclables, les réseaux piétonniers, le transport collectif, pour réduire notre dépendance par rapport, justement, au pétrole. Merci bien, monsieur. Vous pouvez aller vous asseoir, on va vous répondre. J'invite le citoyen à aller lire notre vision de déplacement à vélo, parce que si on veut parler de pistes cyclables, il y a un projet assez complet qui touche l'ensemble de la ville aussi pour les 5 prochaines années dans cette vision-là. Donc, on investit massivement dans les pistes cyclables. Pour ce qui est du projet du port de Beauport 2020, on a précisé du côté de l'équipe La Bombe qu'on est en accord avec ce projet, sauf que ce qu'on dit aussi, c'est qu'on va le faire en tout respect des citoyens. Il y a présentement une étude d'impact environnemental qui est en chemin. Beaucoup de discussions ont lieu par rapport à ça. Et nous, on va se soumettre aux recommandations de cette organisation qui se penche sur les impacts environnementaux du projet. Donc, nous, on va se référer, dans le fond, aux spécialistes du domaine. Et puis, monsieur, je vous invite à vous rasseoir. Non, ce n'est pas un dialogue. Restez assis, s'il vous plaît. Mais je vous demanderai de... Bien, je vous dis que, en tout cas, monsieur, je vous demanderai de vous asseoir. C'est la réponse que j'ai à donner, Madame la Présidente, et je vais m'arrêter là. Donc,
Donc, la réponse a été donnée. Des citoyens présents dans la salle qui ne sont pas intervenus, est-ce que certains souhaiteraient intervenir? Non. Donc, ceci met fin à la deuxième période d'intervention des citoyens. Comme je vous expliquais, M. Grenier, en fonction du règlement, c'est une seule question lors de cette deuxième période. Je vous remercie. Nous en sommes maintenant au point 15, deuxième partie d'intervention générale des membres du Conseil. Nous en étions à Mme Doyle. M. Normand. Point 16, clôture de la séance. Merci beaucoup tout le monde. Une excellente fin de soirée.